استمعك لما فلبلان الباجل الرقم غريبي انا اذا جاي من البلاد اليوم اشيري الشق كليك ريكوردز لايف ان دايركت من كازا البيضاء شيري بوستو كوفا دبلان بوستو باري مان اي شوق هدف الميكروفون فوق البيضاء في كل مكان هذا السيد الشيد اسمي جونز هذا السيد مجلوب هدف لو محسوب ستيب رقم عن جاي فومانس بارك ام رادر في الناس وبارك ام في الباس عيشو ما تحدش هذا سجوج سن يضحك لسن ام يوصي شوف فازيك لك تفهم اسمع حد الفلوب. Bonsoir et bienvenue à Casablanca, la capitale branchée du Maroc, un pays qui pose de nombreuses questions ces derniers temps. Même si les islamistes n'ont pas gagné les élections, ils sont devenus la deuxième force politique du pays, incontournable donc, d'autant que les plus radicaux d'entre eux avaient appelé à l'abstention qui, elle, n'a jamais été aussi importante. C'est ce même pays d'ailleurs qui a été frappé ces derniers mois par plusieurs attentats suicides. Alors, où va le Maroc ? Comment va se terminer le bras de fer entre les islamistes d'un côté et le reste de la société de l'autre côté? Le Maroc va-t-il devoir choisir entre le voile et le bikini? C'est le 18e numéro d'Un œil sur la planète. Qui sont les islamistes marocains? Tendance intégriste, modéré, démocrate ou un peu tout ça à la fois? L'islam politique se cherche, les musulmans s'interrogent et nous aussi, enquête et décryptage. Nous pensons que ce qu'on a est valable pour nous et pour toute l'humanité entière parce que nous pensons que c'est nous qui avons raison. Sans avenir, prêts à tout, ils sont jeunes, marocains et surtout candidats au départ clandestin, parfois au péril de leur vie. À Tanger, l'Occident leur semble à portée de main. Un document exceptionnel sur les brûleurs du Détroit. Il n'y a que des voleurs ici, de bas en haut de l'échelle. Les autorités et même les ministres sont des voleurs. Arrête, il ne faut pas parler de ça. Mais la réalité, je dois la dire, il faut parler de tout maintenant. Pourquoi on va rester dans ce pays? Pour le roi Mohamed VI, la lutte contre la pauvreté passe par la modernité, un développement économique à marche forcée. Projets, chantiers, réformes, villes nouvelles, le Maroc à l'heure de la mondialisation. Bonjour, je suis Claire Lechant de Neuf Télécom. Je souhaite parler à Madame Nathalie Delon, s'il vous plaît. C'est moi-même, c'est à quel sujet? À l'avenir, le Maroc devra aussi faire avec la réalité de ses campagnes. Jusqu'à présent, elles sont les grandes oubliées de ces programmes de réforme. Une grande partie des Marocains manquent cruellement de moyens, voyagent en terre de tradition. Il n'y a même pas assez d'eau pour faire la lessive. Regardez tout ce qui nous manque. Et en plus, ici, on ne peut même pas aller à l'école. Les Français sont de plus en plus nombreux à venir au Maroc pour le plaisir des vacances, mais aussi, et c'est nouveau, pour y travailler et même s'y installer. Ont-ils peur d'une islamisation de la société marocaine? Réponse. Maintenant, quel que soit le pays où l'on se rend, on a un risque d'attentat. Quand on voit ce ciel bleu, on se dit qu'il ne peut rien nous arriver. L'islam au Maroc est profondément ancré dans la société, musulmane à 99%. Un islam traditionnel mais plus tolérant que celui pratiqué dans les pays du Golfe. Ces derniers temps, la pauvreté et la corruption ont favorisé l'émergence d'un courant islamiste. Courant plus radical au point d'inquiéter les Occidentaux. Vu de France, les islamistes font souvent figure d'épouvantail associé aux menaces d'attentats. Mais en fait, la réalité marocaine est plus complexe. Qui sont réellement les islamistes marocains? Doit-on en avoir peur? Quels sont leurs projets? C'est l'enquête impressionnante d'Arnaud Miguet et de Philippe Jasselin. Ils ont pour symbole une lampe à huile, celle qui donne la lumière, celle qui éclaire le chemin. Il est encore long. En septembre 2007, les islamistes du PJD, le Parti de la Justice et du Développement, n'ont pas gagné les élections, mais ils sont désormais la deuxième force politique du royaume. Et voici leur chef, Saad Eddine El Othmani, secrétaire général du parti. Un barbu, évidemment, mais bon chic bon genre.
Ce psychiatre de 51 ans est soucieux de respecter les règles du jeu démocratique. Le modèle du PJD, c'est la Turquie. Les islamistes au pouvoir à Ankara ont démontré qu'ils pouvaient diriger un grand pays. Alors pourquoi pas eux, un jour au Maroc ? D'autant que le palais les a intégrés fort adroitement dans le jeu politique, d'abord à dose homéopathique, plus largement aujourd'hui. Direction Meknès, l'une des quatre villes impériales du royaume. Dirigée depuis les élections municipales de 2003 par le PJD. Le maire, c'est lui, Aboubekr Belkora, 53 ans, affable et souriant. Ici, il est populaire, car il a lutté contre la corruption. L'État ne lui a pas facilité la tâche au début de son mandat. Les crédits étaient rares. Mais depuis l'arrivée d'un nouveau préfet, les fonds publics sont revenus. Le maire, avec l'aide du représentant du roi, est en train de débarrasser Meknès de ses bidonvilles. Il y avait 800 baraques à éradiquer ici, il a fait un effort monstre. On a tout fait pour redonner à la place tout son charme. Nous allons essayer de reprendre en jardin et ça va donner vraiment très bien pour la ville. Bien sûr, il est musulman et profondément croyant, fier de ses 5 prières quotidiennes à la mosquée. Mais ce n'est pas un intégriste. À Meknès, il n'y a pas de charia. Il n'y a pas d'interdiction. Nous, on n'est pas pour l'interdiction. Nos amis, ils construisent des discothèques et nous, on pousse à ce qu'il y ait le maximum de mosquées. Et chacun trouve sa voie. Confronté à l'exercice du pouvoir, le PJD a dû mettre de l'eau dans son vin. Même si l'islam interdit la consommation d'alcool aux musulmans, pas question de toucher à la vigne, principale ressource de la région. Au grand soulagement de Mehdi Bouchara qui travaille dans cette exploitation de renom. En 2005, le jour où le maire a été élu, je vais être très franc, moi personnellement, ça a été un peu un choc. Et le lendemain, une petite gueule de bois quand même. Pourquoi ? Parce qu'on n'en savait rien, parce que PJD, c'était ce dont on en entendait parler. Aujourd'hui, le vigneron et le maire barbu sont devenus les meilleurs amis du monde. On vous amène le diable, là. Quelqu'un qui fait du vin. Ouais, il y a des bons petits diables et des mauvais petits diables. Et moi, lui, c'est le bon petit diable. C'est du pragmatisme aussi, il y a des touristes. Ben, c'est sûr qu'il y a des touristes. Personne n'est contre les touristes. Personne n'est contre la vente d'alcool aux touristes. Au contraire. Le PJD au pouvoir, c'est pas les femmes voilées, qu'on interdit l'alcool. La preuve, vous avez ma femme, elle n'est pas voilée. J'aurais souhaité qu'elle soit voilée, mais c'est elle qui décide. Des femmes voilées, pourtant, on en trouve beaucoup dans les rangs du PJD. Si les dirigeants offrent aux caméras un discours lisse et consensuel, une partie de la base, elle, est nettement plus radicale. Ce conservatisme, on le retrouve à longueur de colonne dans les journaux proches du parti, comme dans ce quotidien de Rabat, à Tajdid. Le journal tire à boulets rouges sur le spectacle offert lors de concerts de rock ou de festivals culturels. Il titre « Tout sauf la culture et les bonnes mœurs ». Les jeunes filles dévoilent leur charme et cherchent le plaisir. Le directeur du journal, cofondateur du PJD, c'est l'autre visage du parti. Moi, je suis pour que la femme se voile tout en montrant son visage et ses mains. À part ça, je pense que l'être humain, il a sa liberté de s'habiller comme il veut. Mais pour moi, une femme qui se balade dans la rue en bikini, c'est une femme qui est en train d'atteindre la morale publique. Et cela ne devrait pas être permis, c'est tout. Nous sommes contre l'ostentation de la débauche. C'est quoi la débauche ? Pour nous, des gens qui s'embrassent en plein public, des hommes qui s'embrassent entre eux, et puis qui est tout ce qui va avec comme saleté, etc. C'est pas moi qui vais vous dire ça, vous le savez très bien. Nous pensons que ce qu'on a est valable pour nous et pour toute l'humanité entière, parce que nous pensons que c'est nous qui avons raison. Pendant cette campagne législative, le PJD a fait profil bas sur les questions de morale et de religion. Pas question d'inquiéter les Marocains.
Pas question non plus de passer pour des intégristes. Le PJD a fait campagne contre la corruption et pour le développement. En économie, les islamistes du PJD sont des libéraux favorables au marché. Bonjour. Monsieur El Othmani n'a pas gagné ces élections, mais il ne rechignerait pas un jour à devenir Premier ministre de Sa Majesté. On peut être islamiste, royaliste et moderne. On se voit plus à l'image des chrétiens démocrates. En Europe, par exemple, ce sont des partis politiques qui se basent sur les valeurs chrétiennes. Nous aussi, on est fiers de se baser sur les valeurs islamiques. Nous sommes sûrs qu'on est un rempart contre l'intégrisme parce que prêcher un islam tolérant, un islam démocratique, disons, c'est ce qui va amener les jeunes à être plus modérés, donc à diminuer les chances de l'intégrisme. Un rempart contre l'intégrisme. Depuis 4 ans, le Maroc vit sous la menace terroriste. Et les barrages filtrants de la gendarmerie que l'on retrouve sur tous les grands axes routiers, à l'entrée des grandes villes, comme ici à Casablanca, rappellent que le pays est toujours à son niveau d'alerte maximum. Fouilles de véhicules, contrôle surprise, les autorités sont sur le qui-vive. Tout comme magasins, restaurants, grands hôtels, gardé 24 heures sur 24 par des compagnies de sécurité privées. Le pays vit dans la hantise de l'attentat suicide. Attentat comme celui de Meknès. Le 13 août dernier, un kamikaze se fait exploser devant un bus de touristes. Le carnage est évité de justesse. En mars et avril 2007, à Casablanca, 5 terroristes s'inspirant d'Al-Qaïda préfèrent se faire sauter plutôt que d'être arrêtés par la police. Quelques semaines plus tard, deux kamikazes actionnent leur ceinture d'explosifs devant le consulat américain. Une façade ébranlée. Tout a commencé le 16 mai 2003, avec une vague d'attentats sans précédent dans l'histoire du Maroc. Au cœur de Casablanca, 5 explosions simultanées ensanglantent la capitale économique du pays. Il y a eu une explosion énorme, très violente. Tous les gens dans la rue ont été touchés. 45 morts, des centaines de blessés. Le royaume est pour la première fois touché dans sa chair. Pour les Marocains, le traumatisme est grand. Et ce terrorisme s'exporte. Madrid, 11 mars 2004. 191 morts, des milliers de blessés. L'enquête établira que la plupart des poseurs de bombes étaient marocains. Pour la police, l'un des cerveaux des attentats, c'était cet homme, Karim Medjati. Et voici sa veuve. Une ancienne étudiante de la Sorbonne. Aujourd'hui, on ne lui serre plus la main. Elle est devenue salafiste. Elle dément la participation de son mari aux attentats, mais reconnaît qu'il était djihadiste. Mon mari faisait partie de Al-Qaïda. Ça, c'est mon mari. Karim Medjati, c'est un jeune issu d'un couple mixte. Son père est marocain, sa mère est française. Il a été éduqué vraiment à l'occidental, à 100%. Son idéal était de devenir un metteur en scène ou un acteur, ou un petit peu genre Hollywood. Mais la guerre du Golfe et la guerre de Bosnie vont être pour nous une coupure. Ensemble, ils tournent le dos à l'Occident et partent avec leurs enfants pour l'Afghanistan. Il s'engage aux côtés de Ben Laden. Karim Medjati sera abattu avec l'un de ses fils en Arabie Saoudite. Il y a eu des affrontements pendant 3 jours. Et mon mari était tué. Ça me paraît bizarre, mais je préfère qu'il soit tué, qu'il soit chez Allah et qu'il ne soit pas entre les mains de l'FBI et du CIA. Aujourd'hui, cette Marocaine ne regrette rien. Selon elle, il est normal que dans ce Maroc allié de l'Occident, de jeunes musulmans se sacrifient pour le djihad, la guerre sainte. L'Occident a des avions, il a des tanks, il a tout. Les musulmans, quand ils font le djihad, ils n'ont pas ces possibilités. C'est une guerre vraiment inégalitaire. Les musulmans, ils ont essayé aussi de trouver une arme. Maintenant, l'arme qui fait vraiment peur à l'Occident, c'est ce que vous appelez, vous, les opérations suicides, ce que nous appelons, nous, les opérations martyrs.
Si l'Occident ne veut plus voir des opérations suicides, il faut arrêter de bombarder nos villes, de bombarder nos femmes et nos enfants. Et les choses vont se rétablir. Mais si vous continuez, les musulmans vont continuer. Elle vit aujourd'hui en résidence surveillée, privée de passeport. Au Maroc, les chefs de la mouvance djihadiste sont morts ou derrière les barreaux. Comme cet homme, Pierre Robert, l'émir aux yeux bleus. Un Français condamné à perpétuité pour les attentats de Casablanca. Aujourd'hui repenti, nous sommes entrés en contact avec lui par téléphone. Ce qu'il nous explique est incroyable. L'appel au djihad continue de la prison de Salé, la plus sécurisée du pays. La prison, c'est devenu en quelque sorte un centre d'endoctrinement. Il y a au niveau théologique des cours qui sont donnés et des entraînements physiques qui sont faits en groupe. Moi, j'ai des entraînements militaires. Ça rentre dans la préparation pour le djihad. À l'intérieur chaque même fois, de la prison. Oui. La nuit, vous avez des chants religieux guerriers qui ne cessent de se répéter. Ces chants religieux sont portés uniquement vers le djihad. Il faut combattre les ennemis de Dieu. Les belles du paradis vous attendent. Voici, c'est le moment. Allez-y, il ne faut pas attendre. C'est toute une propagande pour les djihadistes. Le but de la vie, c'est le fait de mourir dans la cause de Dieu. L'endoctrinement est d'autant plus facile que le terreau est fertile au Maroc. Voici le bidonville le plus tristement célèbre de Casablanca, Douar Sekouila, dans le quartier de Sidi Moumen. Ce n'est pas un hasard si la majorité des kamikazes venaient de là. Un lieu qui n'apparaît sur aucune carte, lieu de misère et de non-droit, où vivent 5 à 7 000 familles dans le plus grand dénuement et la plus grande colère. Pourquoi ils ne s'intéressent pas à nous? Pourquoi ils ne nous aident pas? Qu'est-ce qui nous manque? On n'est pas assez beau? Ils vont aider tout le monde. Et nous, on nous laisse ici, dans notre merde. Devant notre caméra, personne ne revendique le djihad. Mais ici, on le comprend. Ceux qui se font exploser, on ne peut pas les considérer comme de bons musulmans. C'est contraire aux principes de l'islam. Mais bon, si on regarde celui qui vit dans la misère, qui est au chômage, qui vit dans un bidonville immonde, sans un sou en poche, et qui fréquente des gens dans la même situation, eh bien on peut comprendre que ça le conduise au désespoir. Ça fait de lui un kamikaze potentiel, parce que tout ça, ça vous bouffe le cerveau. C'est contraire à l'islam, mais nous, on comprend. Dans les bidonvilles du Maroc, il y a des luttes d'influence entre les islamistes prônant le terrorisme et ceux qui ont renoncé à la violence. C'est le cas de l'association Justice et Bienfaisance. L'égérie de ce mouvement islamiste, c'est elle, Nadia Yassine. Aujourd'hui, en visite dans un bidonville à Salé. Vous allez comprendre maintenant pourquoi on a des kamikazes. Alors là, c'était des anciennes écuries. Vous allez voir les arcs là-bas et bon, ils font avec. Justice et Bienfaisance, créée dans les années 70, est omniprésent dans les quartiers déshérités du Maroc. Le mouvement occupe la place désertée par l'État. Même pas de canalisation. Notre islam à nous, c'est un islam libérateur. C'est un islam libérateur parce que seule la foi peut nous donner le souffle pour opter pour un changement sans la violence. Parce que quand on voit ça, on a envie de se faire exploser. On est sinistrés, on est un peuple de sinistrés. Il y a de plus en plus de Marocains qui vont vers cette précarité et une toute petite élite qui est en train de s'enrichir jour après jour, de construire des palais et des... Et nous, ça... Moi, ça me fait très mal au cœur. Ça me fait très mal au cœur. L'objectif du mouvement est de réislamiser la société grâce à l'action sociale. Alors elle ouvre des points d'eau potable et donne des cours d'alphabétisation aux femmes des bidonvilles. Cette association nous est très chère. Nous ne pouvons plus vivre sans elle. J'ai appris à lire, à utiliser un téléphone. Je ne savais même pas faire ça. J'ai appris à reconnaître les noms des rues. Maintenant, je peux lire le nom des places. Je sais me diriger. J'ai même appris le Coran. Je
Le Coran, il est omniprésent dans l'enseignement de justice et bienfaisance. Mais pas seulement le Coran. Il y a l'idéologie. Le mouvement prône l'avènement du califat et l'instauration de l'État islamique au Maroc, basé sur la charia. Le retour à un islam pur et dur. Un appel relayé aujourd'hui dans tout le Maroc par les chaînes du Golfe captées par satellite. Grâce au quadrillage de terrain, à l'encadrement des disciples, justice et bienfaisance peut mobiliser des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Comme ici à Casablanca en 2003, contre la réforme du code de la famille qui accordait plus de droits aux femmes. Ce mouvement islamiste est officiellement interdit, mais extrêmement puissant, il est toléré. À l'heure de la prière, dans son appartement de Salé, nous retrouvons Nadia Yassine. Cette ancienne élève du lycée français de Rabat aime bien mijoter des petits plats. Attends, puis je suis pas Bocuse non plus. Mais ne nous y trompons pas, cette fine cuisinière est avant tout une révolutionnaire. Son mouvement a appelé au boycott des élections, qualifié de mascarade. Vous passez pas tout votre temps avec les élus. Du tout. Je passe mon temps à enquiquiner le régime marocain. Enquiquiner le régime marocain, un euphémisme. Nadia Yassine a osé le crime de lèse-majesté. Annonçant publiquement sa préférence pour une république au Maroc, elle remet en cause la légitimité de la monarchie. Si j'ai bien compris, vous êtes tous royalistes là, c'est ça? Non. Par contre, est-ce que vous êtes tous républicains? 1, 2, 3, oui. Du temps du roi Hassan II, ce genre de propos vous envoyait directement au bagne. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais Nadia Yassine est quand même en attente de procès depuis 2 ans. Elle risque entre 3 et 5 ans de prison pour atteinte aux institutions sacrées de la nation. Aujourd'hui, comme dans l'ensemble du monde arabe, le Maroc connaît une poussée islamiste. Mais le vocable islamiste recouvre dans le royaume chérifien des réalités fort diverses, plus ou moins démocratiques. Entre les islamistes modérés du PJD, les fondamentalistes de justice et bienfaisance et les djihadistes du front anti-occidental, la pression est forte sur le roi qui veut moderniser son pays, mais qui doit aussi tenir compte des aspirations d'une partie de son peuple. Comment canaliser l'islam politique dans le jeu démocratique? De la réponse à cette question dépend sans doute le visage du Maroc de demain. Aux dernières législatives, il y a eu 2 surprises. D'abord, une abstention historiquement forte avec 37% de votants seulement. Ensuite, c'est le parti de la droite nationaliste, l'Istiklal, qui a remporté les élections contrairement à toutes les prévisions. Les islamistes du PJD, qui espéraient doubler le nombre de leurs députés, ont eu une progression limitée, même s'ils sont devenus la 2e force politique du pays. Pour décrypter le résultat de ces élections, nous avons rendez-vous au siège du magazine, tel quel, à Casablanca. Un jeune hebdomadaire francophone créé en 2001 et qui en peu de temps s'est imposé par son ton et son esprit d'indépendance. Tel quel se distingue en abordant tous les sujets de société, même les plus tabous. Une liberté rare dans le monde arabe, mais qui reste fragile. Le directeur de Tel quel, Ahmed Benchemsi, 33 ans, en sait quelque chose. Lui qui attend son procès pour manquement au respect dû au roi. Alors, le Maroc vient de voter. Les urnes ont parlé. Comment interpréter ces élections? D'abord, les islamistes n'ont pas gagné d'une manière aussi large qu'on s'y attendait. Et ça, c'est intéressant. Ça prouve que finalement, un raz-de-marée islamiste est un fantasme et que la structure sociologique du Maroc reste ce qu'elle a toujours été.
à savoir, une société, notamment dans les campagnes, une société largement féodale où c'est les seigneurs locaux qui l'emportent, abstraction faite de toutes les idéologies. C'est pour ça que le parti de l'Istiqlal a gagné et que le PJD, le parti islamiste, finalement, n'est que deuxième. Maintenant, je crois que la leçon majeure à retenir des élections, c'est le taux de participation qui est très faible. 37%, il n'y a jamais eu ça dans l'histoire du Maroc, même si les taux de participation avant étaient relativement truqués et manipulés. Mais bon, là, ça sent l'honnêteté, c'est vraiment 37% des inscrits qui ont été votés. Et bizarrement, mais c'est un signe de transparence, d'honnêteté. Ça prouve que les élections sont véritablement transparentes, à savoir qu'il y a très très peu ou quasiment plus d'achats de voix. Et donc, les gens, si on n'achète plus leur voix, ils n'ont plus de réelles raisons d'aller voter. Pourquoi ils voteraient ? Pour le sens de ces élections ? C'est là où on revient aux fondamentaux de la politique marocaine, à savoir que les élections n'ont pas de sens réel tant que la réalité du pouvoir reste concentrée entre les mains du roi. Alors, quand on s'inquiète en France, par exemple, de l'évolution du Maroc et qu'on dit quand le Maroc un jour deviendra islamiste, ça vous fait quoi ? Vous réagissez comment ? Ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que le Maroc a peu de chances de devenir islamiste tant que la monarchie reste ce qu'elle est, à savoir une monarchie absolue dans les textes et parfois dans les faits aussi, oui. Cette monarchie est une monarchie de droit divin. Donc l'État est islamiste au Maroc. Maintenant, il ne met pas là-dedans les mêmes choses que mettent les barbus et les frères musulmans et tous ces gens-là. Mais enfin, c'est quand même un argument qui est fort. Il répond à ces gens-là, mais comment ça vous défendez l'islam ? Mais moi, le commandant des croyants, dit le roi, je défends l'islam plus que vous. C'est une dialectique qui n'est pas exempte d'hypocrisie et de faux-semblants des deux côtés. Mais enfin, ça maintient la société dans une espèce d'attentisme. Ça peut difficilement exploser. L'inconvénient, c'est que ça maintient aussi une hypocrisie générale. Et c'est que le débat, le réel débat sociétal et politique, il n'est pas encore arrivé. Il existe dans la presse, mais uniquement dans la presse. Donc il n'y a pas de risque, à vos yeux, qu'un jour le Maroc bascule dans l'islamisme politique, comme on a pu le craindre éventuellement avant ces élections ? Tant que la monarchie restera ce qu'elle est, à savoir le pivot fondamental de la politique marocaine, et avec des pouvoirs quasi absolus, absolus tout court, pourquoi quasi ? Non, les islamistes n'auront pas de chance d'avoir le pouvoir, pas plus que toutes les autres forces politiques d'ailleurs. Est-ce que c'est une bonne chose maintenant ? Est-ce qu'il faut continuer dans un système de pouvoir, de monarchie absolue, juste pour que ce soit une digue, un paravent, une éventuelle prise de pouvoir par les islamistes ? Non, je ne pense pas. Je pense que tôt ou tard, ce pays ne pourra pas faire l'économie d'un réel processus de démocratisation. D'ici là, la monarchie est là, elle sert de rempart, et elle sert aussi de facteur de blocage à la démocratisation. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Ici, le roi est sur toutes les lèvres, dans toutes les têtes, dans tous les foyers marocains. Plus qu'un recours, ce jeune monarque concentre tous les pouvoirs politiques et religieux, puisqu'il est aussi le commandeur des croyants. Mohamed VI, aujourd'hui confronté à une tâche immense. On dit du Maroc qu'il est une île, baignée par la Méditerranée, l'océan Atlantique et le désert du Sahara. Selon les Marocains, leur pays inclut le Sahara occidental, annexé en 75. Une frontière non reconnue en droit international, le Front Polisario réclame toujours l'indépendance de ce territoire. Le Maroc, c'est 30 millions d'habitants, dont la moitié a moins de 25 ans. Selon l'indice de développement humain des Nations Unies, le Maroc occupe la 123e position, loin derrière la Tunisie et l'Algérie. Il faut savoir qu'un Marocain sur deux ne sait ni lire ni écrire et qu'un Marocain sur sept vit en dessous du seuil de pauvreté. Des villes comme Casablanca ont vu leur population exploser, mais un Marocain sur deux vit encore à la campagne, dans des villages sans eau courante ni électricité et où les changements n'arrivent que lentement. C'est le reportage de Dorothée Cochard et Frédéric Baud. La famille peut se réjouir, la mariée était bien vierge. Sous le voile brillant, contre le pain de sucre, un bout de drap taché, en guise de preuve. Non, la famille n'a pas été trompée. Et ici, la tradition veut que tout le village l'entende. «
y a quelques jours, la mère, Asna, partait avec ses fils annoncer la bonne nouvelle. Ahmed, l'aîné timide aux vêtements à la mode, doit se marier avec la jeune voisine. Et ça prend du temps de l'annoncer. Car à la campagne, le moindre déplacement a des allures de grand voyage. Après une heure de marche, les voici à l'autre bout du village, chez la sœur d'Asna. Saïda ! Bonjour Hadidja, je viens demander votre aide. Ça y est, on a décidé, la Marie arrivera cette fin de semaine. Il faudra que tout soit prêt avant la prière du soir parce que c'est à ce moment-là qu'elle arrive. Oui, mes filles peuvent venir t'aider si tu veux. C'est possible demain ? Demain si tu veux, il n'y a pas de problème. Tous les jours que tu veux. Oui, parce que tu comprends, j'ai vraiment besoin d'aide. Le cousin du marié charge donc quelques affaires qui seront utiles pour la fête. La lessive du vendredi. En tant qu'aînée de la famille, c'est Naïma, la future mariée, qui en a la charge depuis déjà de longues années. Personne dans le village n'a l'eau courante. Et c'est comme ça dans la plupart des campagnes au Maroc. La lessive demande bien 4 heures d'effort. Et 4 heures, c'est quand tout va bien. Tous les étés, c'est comme ça. L'eau manque dans le puits. C'est très dur, j'en ai marre, c'est fatigant. Je n'arrête pas, je ne vois pas comment faire autrement. J'ai beau tirer et tirer, ça se remplit à peine. La meilleure amie de la mariée a vécu quelques années à la ville. Et le retour est assez rude. Ici, à la campagne, il n'y a pas de machine à laver. Il n'y a pas de savon. Il n'y a pas de réfrigérateur. La vie à la campagne est vraiment très dure. Regardez, depuis ce matin, nous avons perdu une heure juste pour aller chercher un bout de savon et en plus, il n'y en a pas. Il n'y a même pas assez d'eau pour faire la lessive. Regardez tout ce qui nous manque et en plus, ici, on ne peut même pas aller à l'école. En fait, il n'y a pas de collège, mais il y a bien une école. Et comme l'a voulu le roi, il y a 5 ans, elle est maintenant obligatoire pour tous les enfants. Mais le bâtiment est à une demi-heure de marche. En hiver, avec la boue, on y va quand on en a le courage, ou on n'y va pas du tout. C'est le cas du petit cousin du marié. Ses mains sont celles d'un homme, mais il a 14 ans. Il n'a pas mis les pieds à l'école depuis près de 3 ans parce qu'il travaille avec son grand-père dans une des poteries qui font la réputation du village. Tout est difficile, tout. Fabriquer la boue, c'est difficile. La pétrir, c'est difficile. Combien d'heures travailles-tu dans une journée ? De 7h du matin jusqu'à 7h du soir. L'enfant gagne 2 euros par jour, c'est-à-dire 2 fois moins que son grand-père. Au Maroc, pourtant, la loi interdit le travail avant 16 ans. Mais ici, la loi cède le pas devant l'adversité.
Ses parents, ils préfèrent qu'il n'aille pas à l'école. Comme ça, il rapporte quelques sous en travaillant ici. Avec ces quelques sous, ils peuvent se payer de la nourriture. Ils n'ont pas assez d'argent pour eux. Ils ne peuvent pas se permettre de l'envoyer à l'école. Moi-même, j'aurais bien aimé aller à l'école. J'aurais eu une meilleure vie et je ne travaillerais pas aussi durement. Un Marocain sur deux ne sait ni lire ni écrire. Deux sur trois à la campagne. Monsieur le super Kaïd, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être, Inch'Allah, après l'Aïd. Je viens solliciter de votre haute autorité un certificat de vie, que Dieu vous glorifie. Le père de la fiancée, lui aussi analphabète, vient de se rendre compte que sa fille n'a pas encore 18 ans. Donc légalement, elle ne peut pas signer de contrat de mariage. L'écrivain public du village ouvre son échoppe juste pour lui. Et le père lui fournit les cartes d'identité de la famille, c'est-à-dire la sienne et celle de sa fille, puisque sa femme n'en a jamais eu. Il demande au savant de rédiger une lettre, bien troussée, pour obtenir une dérogation. Avec ce papier, je vais me présenter au juge pour qu'il m'autorise à marier ma fille. Et c'est important le mariage. Une fille, elle est faite pour quoi si c'est pas pour se marier? Quand on a une fille, il faut la marier. Asna et son fils sont de retour chez eux. C'est ici que la mariée doit venir vivre. La cour est encore en grand désordre. C'est normal, on a fait venir le maçon pour qu'il donne un coup de fraîcheur au vieux mur. Et surtout pour qu'il construise une chambre. En fait, Asna a fait diviser sa grande cuisine en deux. Et elle découvre la nouvelle pièce qui deviendra la chambre des amoureux. La chambre est petite, mais bon, c'est tout ce qu'on peut faire. Avant, on dormait tous dans la même pièce à côté. Maintenant qu'il va devenir un homme, il doit être indépendant. Il lui faut une place à lui tout seul. Tous ces travaux vont coûter cher à Asna. Elle va devoir faire quelques heures de ménage supplémentaires à la ville. Une ville qui attire de plus en plus la jeunesse désœuvrée des campagnes, mais pas celle d'ici. En tout cas, pas encore. Les dizaines de poteries, pour l'instant, arrivent à faire vivre le village. Samedi, c'est jour du marché sur la grande place du village. Le seul jour où l'on trouve de tout. Barbier, cordonnier, poulet dodu à chair épaisse. Et même, les marabouts guérisseurs qui, d'une ligne du Coran, et moyennant 1 euro, ôtent les maux de ventre et font trouver l'âme sœur. Asna, elle, négocie tout. Vêtements, aromates et même bassines en plastique. En deux jours, elle a déjà dépensé 300 euros. L'équivalent de 2 mois de budget. C'est un peu cher, mais c'est pour le mariage. Vous le faites demain ? Oui, si Dieu le veut. Mais Dieu est occupé ailleurs. Le mariage est compromis. Le père de la mariée n'a pas obtenu la dérogation du juge. Il manque encore un papier. Il préfère reporter le mariage de sa fille.
Écoute-moi, tous ces voisins qu'on a fait venir, qui nous ont aidés, qui ont participé, on les fait partir sans fête maintenant, c'est pas honteux? Ces papiers dont tu me parles, ce n'est pas grave. On n'a qu'à faire la fête comme prévu, demain, et ensuite, le jour d'après, tu reprends ta fille pour aller finir les papiers. Le juge a dit qu'il fallait d'abord finir les papiers. Qu'est-ce qui nous empêche de faire le mariage demain? Non, Asna, il faut faire les choses dans les règles. Ce que je te propose, c'est peut-être pas dans les règles. Qu'est-ce que tu racontes là? Nous marions nos enfants et la semaine prochaine, vous prenez tous les papiers et vous régularisez tout chez le juge. On va tout de même pas arrêter maintenant. Pour les fiancés, suspense. Toutes ces complications n'auraient pas eu lieu il y a encore 3 ans. Une femme ne parlait pas en son nom. Une fille pouvait être mariée à 13 ou 14 ans, de gré ou de force. Avec le nouveau code de la famille, les mariages sont interdits avant 18 ans. Les femmes décident de leur sort et elles peuvent même divorcer aujourd'hui. Ni Asna, ni sa sœur n'auraient imaginé une telle révolution des mœurs. Les deux femmes sont veuves. Les deux ont été mariées contre leur gré à des hommes qu'elles n'aimaient pas. De mauvais mariages. Ici, dans la région, on traite les femmes avec beaucoup de violence. Les hommes battent leurs femmes pour un rien, et ils les battent violemment. Ils peuvent même la tuer. Je me rappelle une fois où mon mari était en colère, il s'est mis à me taper sur le visage. J'avais l'œil rouge et gonflé, je me suis mise à saigner du nez. Il y avait du sang partout sur mes vêtements. Si je n'avais pas risqué de perdre les enfants, j'aurais demandé le divorce. Mais avec les enfants, que vouliez-vous que je fasse? À l'époque, ça aurait été bien que j'ai quelques droits. Mais là, j'étais obligée de prendre mon mal en patience. À présent, grâce au droit, si une femme divorce, elle a le droit à la moitié des biens. Que ce soit la maison, la voiture, l'argent, tout. Elle a le droit à la moitié. Moi, j'espère bien ne pas taper ma femme. J'espère qu'on n'aura pas ce genre de problème. D'ailleurs, c'est péché que de frapper sa femme. J'essaierai plutôt de discuter, de parler avec elle. J'espère vraiment ne pas avoir à en venir aux mains. Après une nuit de réflexion, le père de la promise a tranché. Il accepte le mariage. On régularisera plus tard. Reste un moment important pour Asna, celui de la dot. Car comme le veut la tradition, c'est à elle, la famille du jeune homme, de se déplacer pour donner de l'argent à la famille de la jeune fille. J'ai déjà dépensé beaucoup. Oui, mais il y a eu des choses à mes frais aussi. Rajoute un peu. Hein ? Rajoute. J'ai déjà dépensé 20. Moi, je crois que tu n'as dépensé que 12. Bon, bah c'est comme tu veux, si tu sais tout. Écoute, moi, je te donne ce qui a été convenu. Je t'ai donné ma parole. Voilà la somme. Je dois dépenser 48. Et là, c'est 38 que tu me donnes. Donne-moi plus. Tu as déjà fait tes comptes? Vous êtes témoin, il a déjà fait ses comptes. Elle me donne que 38. Elle a déjà mangé 10. Oui, là, maintenant, je te donne 38, mais tu sais combien j'ai dépensé de mon côté? J'ai déjà dépensé 10. Ça fait les 48 que je te dois. L'affaire est finalement conclue, même si l'on a déjà connu entente plus cordiale. Asna aura payé 2 mois de revenus, 300 euros pour le trousseau de la mariée, c'est-à-dire 10 fois moins qu'en ville. C'est le grand jour, les gâteaux de fête, le henné des heureux événements, le maquillage de la mariée. On reconnaît à peine la petite jeune fille qui empoignait le linge au puits avant-hier. Asna s'est fait prêter le four à gaz de la voisine, celui qu'on utilise quand on a beaucoup d'invités.
Les nièces ont tenu leurs promesses. Elles s'occupent des pâtisseries. Portable à portée de main, comme tout le monde maintenant au village. Tiens, je crois que j'ai reçu un message. Regarde pour moi, je ne sais pas bien m'en servir. Tu vas voir le message et tous les autres, mais ça reste entre toi et moi. Salut, ça va? Le Bessalik? C'est signé d'un certain... Eh ben, j'ai bien fait de te dire que ça reste entre toi et moi. Depuis quelques mois, le portable est devenu un moyen de drague pour les filles de la campagne. Chez nous, au Maroc, les garçons et les filles n'ont pas les mêmes droits. Les filles ne sont pas libres. Les garçons font ce qu'ils veulent. Ils peuvent sortir, ils peuvent fréquenter des filles. Mais les filles, elles ne peuvent pas. En tout cas, pas à la campagne. Si j'avais une histoire d'amour, avant de me marier, mes parents seraient capables de me tuer. Il y a plein d'histoires comme ça ici. Récemment, il y a même eu le cas d'un homme qui a tué sa fille à cause du scandale, parce qu'elle avait entaché la réputation de la famille. Sous la tente louée pour l'occasion, les hommes de la famille veillent. Les imams du village ont commencé à réciter les passages du Coran qui porteront chance à la Vierge et à son époux. Comme le veut la tradition, la mariée arrive pendant la prière du soir. Elle entre dans sa nouvelle demeure au bras de son oncle, car la promise ne doit pas poser pied à terre, au cas où une méchante femme aurait jeté un mauvais sort. Sur son chemin, elle jette des poignées de blé, gage de bonheur et de fertilité. La voici dans la chambre tout juste terminée. Une chambre avec électricité, s'il vous plaît. Il y a 3 mois, ici, on veillait encore à la bougie. Ahmed, le marié timide, a revêtu l'habit traditionnel. Il obéit au rituel que les femmes lui indiquent. Je suis un homme chanceux, j'ai pu choisir ma femme. C'est rare ? Oui, c'est rare. J'aspire à vivre en paix avec mon mari, l'honorer, honorer ma famille. C'est très important, c'est essentiel. Ici, au Maroc, sans la famille, on n'est rien. Asna ferme la porte et donne le signal. Les mariés doivent être seuls. Les invités doivent faire du bruit. Il est temps de consommer l'union, de rendre fière la famille, et avant la fin de la nuit, de satisfaire aux exigences de la tradition.
Pour ceux qui quittent la campagne poussés par la misère et qui s'entassent dans les grandes villes du Maroc, la vie est toujours aussi dure. Les plus pauvres ou les plus désespérés d'entre eux veulent partir, partir coûte que coûte, même en risquant leur vie. Dans un document exceptionnel, nos confrères de Thalassa, Jérôme Laurent et Yvon Baudin ont suivi ces candidats à l'exil. Port de Tanger, nous sommes au mois de décembre. Les derniers ferries de la journée s'apprêtent à partir pour l'Espagne. À leur bord embarquent des semi-remorques venus de toute l'Europe s'approvisionner au Maroc. Notre équipe filme librement pour un reportage officiellement consacré au développement économique du port. Mais en réalité, si nous sommes ici, c'est pour une toute autre histoire. Viens par ici, viens. Descends, descends. Allez, viens ici ou je lâche le chien. Aïe, aïe, mes couilles, j'ai les couilles coincées. Quoi tes couilles? Tu te fous de moi? Tout à l'heure, c'était tes jambes qui étaient coincées. Allez, maintenant, descends, mon ami. Je peux pas, je suis coincé, je vous dis. Laissez-moi sortir doucement, ne me tirez pas. Caché dans les essieux du camion, ce jeune homme vient de risquer sa vie pour être embarqué à bord du ferry. Peine perdue. Tu as de la chance qu'il y ait cette caméra aujourd'hui, sinon... En moins d'une heure, 5 adolescents vont être ainsi délogés de plusieurs semi-remorques. Où est-ce que tu voulais aller? En Espagne. On va aller travailler là-bas. C'est la première fois que vous tentez la traversée? Non, on l'a fait plein de fois. Mais on se fait souvent arrêter. Et vous avez déjà réussi à passer? Oui, moi j'ai passé 2 ans en Espagne. À Malaga. Après j'ai été expulsé. Je cherche à repartir. Et grâce à Dieu, s'il m'aide. Pour Younes et ses copains, la nuit se terminera au commissariat. Harag. En arabe, cela veut dire brûler. Ils s'appellent entre eux les Haraga. Les brûleurs. Comme on brûle l'asphalte, sauf qu'ici, ce n'est pas une simple route qu'il faut traverser, mais un détroit, large de 13 km. Le détroit de Gibraltar. À Tanger, quand la météo est bonne, on peut toucher du doigt les montagnes andalouses, de l'autre côté du détroit. Une vision presque trop violente, une torture quotidienne pour tous ceux qui rêvent d'émigrer en Europe. Comment alors brûler cette frontière maritime que seuls traversent les ferries qui font chaque jour l'aller-retour avec l'Espagne, la France, l'Italie?
Nous avons voulu mieux connaître ces haragas, des adolescents pour la plupart, ou de jeunes adultes, tous des garçons. Connaître leur histoire, savoir pourquoi ils s'affranchissent des filières classiques de l'émigration clandestine pour tenter eux-mêmes leur chance au péril de leur vie. Leur jeu, leur roulette russe donc, c'est de se cacher dans les camions qui montent à bord des ferries en partance pour l'Europe. Un jeu risqué. La plupart des haragas viennent des quartiers surpeuplés des grandes métropoles marocaines, des campagnes aussi. Ils partent avec l'espoir de profiter des lois espagnoles qui offrent théoriquement l'asile aux mineurs clandestins et plus tard, éventuellement, un permis de séjour. Les autres, plus âgés, fuient tout simplement la précarité et partent chercher un travail au noir. Parmi ces haragas, voici Younes, 17 ans. Vous l'avez aperçu au début de ce reportage lorsqu'il s'était fait arrêter de nuit. Vous savez, l'autre jour, les policiers m'ont frappé parce qu'ils nous ont vu vous parler. Ils m'ont tapé dans le dos. Ils m'ont laissé 3 jours dans le commissariat. Et le quatrième, ils m'ont lâché. Tu as payé pour sortir ? Non, parce que j'avais rien sur moi. Si j'avais eu de l'argent, j'aurais pu sortir tout de suite. Avec 2 ou 5 euros, tu sors tout de suite. Pourquoi tu n'as pas peur de nous parler ? Mais de quoi je devrais avoir peur ? Qu'est-ce qui va m'arriver ? On ne meurt qu'une fois, si Dieu veut. J'ai peur de rien. Si tu vas en prison, Dieu s'occupera de ceux qui te maltraitent après. Être frappé, ça ne te fait pas peur ? Écoute, de toute façon, dès la première fois où je suis descendu dans ce port, je me suis préparé à tout. Je suis prêt à tout. La prison, la vie et la mort. Tu sais, il y a des jeunes haragas qui meurent sous les camions. D'autres qui tombent du mur. Hier, ils en ont sorti un qui s'était noyé dans le port. D'après toi, combien il y a de haragas ici ? Je dirais à peu près 2000. Lorsqu'il n'essaye pas de brûler, Younes traîne souvent le soir dans les rues de Tanger. Il nous emmène vers une petite place de la Médina qui surplombe le port. Là se retrouvent tous les soirs des dizaines de haragas qui échafaudent leurs plans pour partir. Moi, je vais essayer de passer directement avec l'équipage du bateau. J'ai un contact, je me cache à l'intérieur et j'attends. Au Maroc, même si tu travailles toute la journée, tu gagneras quoi ? À peine 5 euros. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 50 dirhams ? Tu vas pouvoir faire manger ou aider ta famille ? Acheter le mouton pour l'Aïd ? Non. Avec 50 dirhams, la seule chose que tu peux faire, c'est acheter 10 mètres de corde. Tu l'accroches à un arbre et tu te pends. Voilà, tu te pends. Les haragas n'ont pas les moyens de se payer la mafia, celle qui vous propose de brûler le détroit à bord de barques surchargées, les fameuses pateras, ou qui fournit de faux papiers d'immigration en jouant sur la corruption de fonctionnaires.
Pour passer avec les mafias, il faut être prêt à débourser jusqu'à 7000 euros, sans garantie de réussite. Les Haraga, eux, n'ont pas un dirham en poche. La honte de rentrer au village ou dans le quartier, sans avoir réussi à brûler, les empêche de revenir en arrière. Alors certains vivent là depuis des années, au plus près du port, et parfois même à l'intérieur. Comme dans ces conteneurs, transformés en squats de fortune. Plus loin, alors que nous marchons toujours à l'intérieur du port, nous découvrons une brèche dans le mur d'enceinte. Surgit alors un peuple fantôme qui vit dans les roches des digues extérieures. Des gamins, souvent défoncés, à la colle ou au shit pour faire passer la faim et le froid. Venez, venez, je vous montre où j'habite, venez voir. Regarde ma maison, regarde ma maison. Regarde ma niche. J'ai même fait un ascenseur dedans. On a le bac, on a fait des études, on est allé en deuxième année de faculté, on a la licence et on vient pour brûler. Est-ce que ça a un sens tout ça? Quand les autorités t'arrêtent, il faut les payer pour qu'elles te libèrent, c'est vrai ou non? Il y a des gens qui vivent dans des immeubles et nous on habite dans des niches comme des animaux. C'est quoi ça? Tu vois un vieux dans une voiture de luxe et toi, tu n'as même pas de chaussures. Regarde un peu mes pieds, ce sont des chaussures ça? Il n'y a que des voleurs ici, de bas en haut de l'échelle. Les autorités et même les ministres sont des voleurs. Arrête, arrête, il ne faut pas parler de ça. Mais la réalité, je dois la dire, il faut parler de tout maintenant. Pourquoi on va rester dans ce pays? Quel âge as-tu, toi? 30 ans? Toi, à ton âge, sors-moi 2 euros de tes poches si tu les as. Devant ces gens, vas-y. Tu n'as même pas un dirham par an dans tes poches. Et en Europe, même sans travailler, en restant assis, tu peux toucher un salaire. Si tu as perdu tes parents là-bas, il y a des centres pour s'occuper de toi. Chaque semaine, on te donne de nouvelles chaussures. Chaque jour, tu peux te doucher. Toi, tu vis comme un insecte ici. Moi, je me douche une fois par an, comme un animal. Et je vais te dire, en Espagne, même une mouche, elle est mieux traitée que nous. À la suite de la diffusion de ce reportage qui a fait grand bruit ici, les autorités marocaines ont décidé de faire cesser ces pratiques insupportables pour l'image du pays. Quand il monte sur le trône en 1999, Mohamed VI se donne pour objectif de changer le visage du royaume, marqué par les 38 années du règne de fer de son père, Hassan II. Le jeune souverain se présente comme le roi des pauvres, conscient des difficultés rencontrées par l'immense majorité de son peuple. Mohamed VI entreprend de moderniser son pays avec une succession de réformes libérales destinées à ouvrir la société et à dynamiser l'économie. Avec quelques succès, le Maroc a connu plus de 7% de croissance en 2006. Pour donner de l'espoir à la jeunesse de ce pays, il faut au minimum, selon les experts, 6% de croissance par an. Le roi et son gouvernement se sont donc lancés dans une course effrénée au développement économique, au point d'ailleurs de changer les paysages et les villes marocaines, avec l'ambition affichée de faire de ce pays le dragon du Maghreb. Voyez ce reportage de Vincent Fourcade et d'Éric Messi. C'est la plus grande tour de Casablanca, et c'est là que tout a commencé. Au Maroc, Christophe Faméchon est un pionnier.
Il y a 7 ans, il arrive avec une mission, monter les centres d'appel. Donc nous voici sur un plateau de renseignements téléphoniques, ouvert de 8h à 19h. Environ 20 000 appels par jour sont traités ici. Abonnement internet, renseignements téléphoniques, service après-vente. Oui, vous voulez savoir des explications concernant la facture avant-dernière. Il y a de fortes chances que sans le savoir, vous ayez déjà parlé à l'un de ces jeunes Marocains. Sans aucun problème, je peux confirmer cela. D'accord, monsieur. Dans ce cas, je vous remercie de votre appel et je vous souhaite une excellente soirée de la part de... Au revoir. Nous avons ici des gens qui sont minimum Bac plus 3, Bac plus 4. Donc une manœuvre extrêmement bien qualifiée, qui parle bien français. Et aussi un avantage compétitif au niveau du coût salarial, évidemment. Je vous invite à contacter notre service. Bien sûr, on va tester la ligne. Si vous avez la 350 à 500 euros par mois, c'est moitié moins cher qu'en France. À ce tarif-là, les emplois traversent vite la Méditerranée et les clients de ce centre préfèrent que cela reste discret. Si au téléphone, un Français insiste pour savoir où il se trouve, la consigne de certains clients est très claire. Ils ne nous demandent pas de mentir. On leur répond tout simplement qu'on travaille à l'adresse de leur siège, qu'on travaille par exemple à Boulogne, etc. C'est un petit mensonge, ça. C'est pas un petit mensonge parce qu'on travaille pour un client français. D'accord. Et on est une entreprise française, donc on part du principe que c'est pas un mensonge. Au Maroc, B2S recrute 100 nouveaux téléopérateurs chaque mois. Alors on est en formation. Ça va, ça se passe bien ? Ça va. D'accord, vous êtes prêts ? Pour répondre à la demande, le Maroc forme ses troupes, des bataillons de téléconseillers. Un peu partout dans le royaume, des écoles d'un nouveau genre apparaissent. Bienvenue à la Call Center Academy. Ce qu'il faut absolument savoir, c'est notamment qu'on va appeler un client pour lui vendre le produit. Enfin, il va changer d'opérateur, il est chez France Télécom et il doit changer d'opérateur pour aller chez Neuf Télécom. Tout ça, vous allez le dire avec la voix chaleureuse, harponnante, donc un dynamisme, un sourire dans la voix. Bonjour, je suis Claire Lechamp de Neuf Télécom. Je souhaite parler à Madame Nathalie Delon, s'il vous plaît. C'est moi-même. C'est à quel sujet ? Dans quelques mois, ces élèves, vous les aurez peut-être au téléphone. Donc le contenu en lui-même est bon, mais la voix est assez monotone, donc il n'y a pas assez de dynamisme. C'est une remarque assez pertinente. Toujours le même impératif, à l'autre bout du fil, personne ne devra savoir qu'ils sont tous marocains. Il faut humaniser l'offre. Tout à fait, excellent. Rendre l'acte de vente plus humain, plus pour assurer le client et pour ne pas avoir cette boîte qui parle au client. Et qui... Excellent, excellent. Pour nous, c'est un challenge que de faire croire au client qu'il est en France. Parce que là, justement, c'est pour ça qu'on travaille tout ce qui est articulation, tout ce qui est élément d'adresse, tout ce qui est justement culture française. Hein, c'est pour justement avoir cette approche naturelle du client. Un opérateur téléphonique. Et pour mieux connaître ses clients français, tous les jours, une petite série de questions. Si je vous dis la choucroute, oui, c'est la française. C'est quelle région ? La française, quelle région exactement ? La région Marseille. C'est l'Alsace. Le foie gras, c'est quelle région ? C'est quelle région ? Tous ne sont pas encore au point, mais dans 6 mois, ils auront une place dans un centre d'appel. Ils gagneront eux aussi 4 à 500 euros par mois, 3 fois le salaire moyen marocain. La délocalisation de services, une mine d'or que le Maroc compte bien exploiter jusqu'au dernier filon. Car l'industrie textile, l'ancien point fort, est concurrencée par la Chine. Alors le royaume doit se réinventer. Les entreprises étrangères, le Maroc leur déroule aujourd'hui le tapis rouge. Nous sommes sur l'un des chantiers les plus stratégiques du Maroc. Et donc la façade en fait arrière, c'est la façade. Non, ça c'est l'autre façade, ça c'est la façade. Anouar Atmani et Cyril Khalili, deux des artisans marocains du projet. À eux de mener à bien les travaux de ce qui va devenir le plus grand centre d'affaires du Maroc, le Casanière Shore. Nous sommes ici sur une surface de 53 hectares au total, donc là où sera installé le parc, une quarantaine de bâtiments environ, à terme 250 000 m² de bureaux. Le Casanière Shore, c'est tout simplement le paradis de la délocalisation. Bas salaire, loyer dérisoire et pas d'impôts, les grands noms se bousculent, le premier bâtiment affiche déjà complet.
Côté entreprise française, GFI, donc Logica, BNP Paribas. Nous avons le géant américain Dell, également le géant Tata, donc l'Indien. C'est l'une des politiques les plus agressives du Maroc. Mettre en avant la francophonie et l'absence de décalage horaire pour attirer services informatiques, administratifs ou centres d'appel. Comme l'Inde ou la Chine, le Maroc veut sa part du gâteau de la mondialisation et sans complexe. La globalisation angoisse tout le monde, vous, moi, tout le monde est angoissé par ce phénomène. Mais aujourd'hui, le Maroc a le droit de pouvoir bénéficier de ses atouts, de les mettre en valeur, de capitaliser dessus. Le Maroc change et c'est à coup de bulldozer qu'il écrit maintenant son histoire. Moi, je suis arrivé, il n'y avait pas tout ça. Ça grandit, ça grossit, ça construit énormément. Et tu vois les sociétés comme les champignons qui arrivent. Tic-tic-tic. HP, Alfa Romeo, Nokia, Valeo. Stéphane Nomis, 36 ans, un ancien champion du judo français, devenu jeune loup des affaires. Il est là pour se faire les dents à l'étranger. Au judo, je voulais conquérir le monde. C'était numéro 2 français. Dans le business, je veux toujours conquérir le monde. Donc je suis à Casa pour ma première expérience internationale. Bonjour. Voiture de luxe avec chauffeur, ses débuts marocains sont plutôt prometteurs. À Casablanca, il fait, comme à Paris, développer des logiciels pour les grandes entreprises du pays. Aujourd'hui, on est 25 personnes. On espère, d'ici 2 ans, être une centaine de personnes, aussi nombreux qu'à Paris. Une PME française à la mode marocaine. Dans toutes les sociétés marocaines, tu retrouves le roi. Et donc moi, je me suis dit, le roi est mon président. Encore, je ne les ai pas vus côte à côte avec Nicolas Sarkozy, mais je changerai. Il a choisi le Maroc pour 3 raisons. La langue, la proximité avec la France et bien sûr les salaires. Hamid, un ingénieur chez nous depuis 1 an. Cet ingénieur, par exemple, il coûte 3 fois moins cher qu'en France. Mais il ne suffit pas de venir au Maroc pour réussir à coup sûr. Le Maroc, ce n'est pas le Pérou. Encore moins l'Eldorado. C'est très facile de rencontrer les responsables marocains. Ils sont assez ouverts, tu obtiens les rendez-vous assez facilement. Mais par contre, il n'y a rien qui signe. Donc j'ai du mal à comprendre au début. Et en fait, j'ai décidé d'embaucher un directeur général qui avait la connaissance du pays et la culture. Et donc j'ai embauché Mamed. Il faut absolument quelqu'un sur place, de souche, d'origine. Et puis l'idée, c'est... Il connaît comment se comporter, comment réagir, frapper à la bonne porte. C'est important de ces détails-là. C'est ces détails qui font la différence finalement. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait faire marcher comme ça. Lui, il est arrivé, hop, il a discuté, je ne sais pas ce qu'il a fait. Bing, il a eu sa réponse. Pour donner une chance à sa jeunesse, le Maroc doit créer 400 000 emplois par an. Alors dans sa course au développement, le Maroc mise aussi sur sa carte maîtresse, le tourisme. Nous sommes à Saïdia, sur la côte méditerranéenne. Ces collines, tout au fond, c'est l'Algérie. Saïdia, cela ne vous dit certainement pas grand-chose, mais tous les Marocains connaissent. Saïdia, c'est leur station balnéaire préférée. 10 000 habitants l'hiver, 200 000 l'été, et bientôt plus, beaucoup plus. Saïdia Méditerranée, c'est aujourd'hui le plus vaste chantier du Maroc. 6 km de long, 720 hectares en bord de mer, une station toute neuve, grande, comme 2 fois Deauville. Formé en France et en Espagne, Farid Bani est le directeur commercial de Saïdia Méditerranée. C'est la plus importante déjà en étendue et en capacité d'accueil. C'est vraiment donc le gros morceau du plan Azur, donc c'est cette station-là. Le plan Azur, c'est l'ambition royale de passer de 6 à 10 millions de touristes par an dès 2010. Au Maroc, 5 autres stations sont en chantier. Saïdia est la plus étendue, un potentiel de 600 000 visiteurs par an. Toute cette partie-là, 30 000 lits, il faut les occuper, bien sûr. Donc les occuper, c'est trouver des clients potentiels. Les clients potentiels sont de l'autre côté de la Méditerranée. C'est facile. On estime 600 000 personnes par an. Vous avez des millions qui sont à, on va dire, une heure et demie, 2 heures. C'est vraiment en face, juste en face, vous traversez. Ici, vous êtes à 1 heure de l'Espagne. Mais ce sont les Anglais qui ont débarqué les premiers. Londres est à 3 heures d'avion. Ils ont déjà raflé plus de la moitié des lots. Il est vrai que Mohamed VI vient souvent dans la région et ça leur plaît beaucoup.
C'est le projet du roi, le premier des projets du roi du Maroc. Ok, c'est le premier, il doit marcher, il doit être excellent. Il y a plein d'hôtels 4 ou 5 étoiles, c'est de la qualité, il y a tous les avantages que les gens d'Europe du Nord, et même du monde, recherchent pour passer leurs vacances. Des appartements à perte de vue, premier prix 80 000 euros, et des villas. Certaines coûtent plus de 400 000 euros, elles sont pratiquement toutes vendues. Mais il a été difficile de faire venir tous ces touristes. Espagne, Tunisie, Grèce, en Méditerranée, la concurrence est rude. Alors pour se démarquer, Saïdia a dû trouver un petit truc en plus. Là, c'est pas évident, on est où ? Là, on est dans un clubhouse. En construction, bien sûr, mais un clubhouse. Donc, pourquoi un clubhouse ? Eh bien, tout simplement parce que juste en face de vous, vous voyez, on est sur un golf. Peut-être pas tellement évident actuellement, mais c'est un golf, enfin une partie du premier golf. Les golfeurs, à Saïdia, on aime bien ça. Pour nous, ça nous permet d'avoir une clientèle assez intéressante à tout point de vue, au niveau donc, du pouvoir d'achat, et d'avoir justement une clientèle haut de gamme, qui va permettre justement de faire fonctionner aussi les autres activités qui vont autour. Pour un golf, il faut de l'eau. Mm-hmm. On voit autour de nous, c'est assez sec, c'est pas un problème, l'eau. Ça va pas se faire au détriment d'autres choses ? Non, au détriment, non. L'eau, on avait quand même prévu dès le départ, le début, qu'il nous fallait... C'est le discours obligé. Officiellement, il n'y a aucun problème d'eau et qu'importe la sécheresse, le développement économique passe avant tout. Au plus fort des travaux, il y a eu jusqu'à 3000 ouvriers sur le site de Saïdia. Ça donne la chance à beaucoup de gens qui n'avaient pas de travail. Maintenant, il y a du travail pour tout le monde. C'est tout le travail de force. Je gagnais par jour 67 dirhams par jour. Qu'est-ce qu'on fait avec 67 dirhams ? Je mange, je dors. Rien à faire. 600 000 touristes à Saïdia. Pour tous ses habitants, cela veut dire 8 000 emplois directs et 40 000 indirects. Du jamais vu dans la région de l'Oriental. Déjà, la vieille ville change, elle s'embellit. Lui, c'est Farid Chourak, le monsieur économie de l'Oriental. Un enfant du pays nommé par le souverain Mohamed VI. Il a donc droit à quelques égards. Vous l'aviez commandé ? Non. À lui de veiller à la bonne marche du plan royal. Jusque-là, tout semble fonctionner. Le taux de chômage est passé de 22 à 17%. De quoi redonner de l'espoir à une jeunesse qui n'y croyait plus vraiment. Beaucoup de jeunes risquaient l'immigration clandestine vers l'Europe. Et donc là, avec ça, ces plages, ces belles plages qui étaient destinées à l'immigration clandestine, seront des plages de valorisation qui pourront donner des revenus à nos jeunes pour pouvoir le faire. Donc c'est d'abord un développement pour les citoyens marocains, pour les jeunes, pour qu'ils puissent trouver leur emploi. 600 km à l'ouest, près de Tanger, le détroit de Gibraltar, la porte de la Méditerranée. Et là encore, un chantier colossal, celui du port de Tanger Med. Les Marocains aimeraient en faire le premier port méditerranéen. Gibraltar, un carrefour du commerce mondial. De ce côté-là, on a tout l'origine de la marchandise, de la, pratiquement la majorité de la marchandise, des marchandises qui sont containerisées arrivant de l'Asie, de Shanghai, de Hong Kong. Et de l'autre côté, on a les Amériques. Donc juste en face, donc, on a la destination Europe, donc les ports d'entrée de l'import-export, Rotterdam, Hambourg et autres. Et donc derrière, bon, on est en tête d'Afrique. 100 000 navires passent ici chaque année. Pour transborder leurs boîtes, ces porte-conteneurs géants accostaient jusque-là en face, en Espagne. Pour desservir la planète, le Maroc aimerait que l'on compte maintenant sur Tanger Med. Zone logistique, commerciale, industrielle, ici aussi l'objectif est de créer de l'emploi. 150 000 dans les 10 ans. Ce jour-là, sur Tanger Med, il y avait une petite fête chez le Danois Maersk, l'exploitant du port. Une réunion là avec la direction pour encourager le personnel parce qu'ils ont fait des efforts considérables. Ah oui, c'est bon. C'est une grosse société mondiale qui vient investir chez nous. On est heureux d'être avec eux, de travailler chez eux. Sur chaque visage, un sourire. Sûrement la fierté d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Maroc. Tanger Med,
C'est également l'occasion pour de nombreux Marocains de trouver chez eux ce qu'ils étaient partis chercher ailleurs. Je suis parti en France pour terminer mes études. J'ai décroché un diplôme en ingénierie. Je suis ingénieur en système et réseau. Et j'ai bien évidemment décidé de retourner au Maroc pour participer au développement de mon pays. En principe, je ne quitterai pas le Maroc. Je suis marocain, j'ai vécu aux États-Unis et je veux participer au développement économique de mon pays. Combien de temps vous pensez rester au Maroc? Peut-être pour toujours. Si j'arrive à me marier, à avoir des enfants, je reste ici. Pour relier Tangemed au reste du pays, des kilomètres de routes et d'autoroutes ont surgi des montagnes du Rif. Des milliers de personnes expropriées pour laisser place à ces rubans de bitume. Avancer, quoi qu'il en coûte. À marche forcée vers le développement, le Maroc a maintenant dévoilé toutes ses cartes. Pour le royaume, demain sera peut-être un jour nouveau. Ce Maroc moderne, il a été filmé en partie dans cette villa des hauteurs de Casablanca par une jeune réalisatrice, Leila Marakchi. Son premier long-métrage, Maroc, qui a provoqué la fureur des islamistes, décrit bien une société écartelée entre la tradition et l'occidentalisation. On défend nos libertés. Maroc, il est où tu... Mais t'es malade ou quoi, Maroc? Qu'est-ce que tu fais? T'es tombé sur la tête? T'es zinzin? Tu t'es cru en Algérie ou quoi? Non. Ça y est, tu vas devenir barbu, c'est ça? Non. Papa, maman, il y a votre fils qui est devenu complètement fou. Allez, fais genre tu m'entends pas, réponds pas, c'est bien. Bon putain, il est où le jean que tu m'as ramené? Non, d'accord. Putain, fiché. Mao, je te parle, putain. Tu peux me répondre une seconde? Il est où le jean? Merde. Mao, il est où? Je l'ai trouvé, merci. Hé hey, Mao, tu t'es trompé de direction, la mec, c'est de l'autre côté. Alors, on a un peu l'impression, en regardant votre extrait de film, que le Maroc, c'est une société coupée en deux. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est schizophrène? Effectivement, elle l'est, quelque part. Bien sûr qu'elle est schizophrène, parce qu'à la fois, on est partagé entre l'envie de s'émanciper un peu à l'occidental et en même temps de rester dans nos traditions. Donc, on est un peu partagé, finalement, entre ces deux tendances. Moi aussi, je suis un peu... J'ai un peu les deux. À la fois, je suis très attachée à mes traditions marocaines et en même temps, j'ai reçu une éducation qui est très occidentale. Donc, il faut pouvoir gérer ça. En fait, chez soi, on fait ce qu'on veut. Dans les endroits publics, c'est plus compliqué. Voilà. C'est plus compliqué. Je peux pas dire... Enfin, c'est pas noir ou blanc, c'est vraiment mitigé. C'est à la fois... C'est tellement une société, c'est tellement un pays qui va dans tous les sens. À la fois, on peut aller sur la corniche et voir des boîtes de nuit, des filles super bien habillées, en mini-jupe, etc. Et en même temps, voir des femmes voilées juste à côté. C'est vraiment un mélange de tout ça. Le Maroc est tout ça. Et on ne peut pas dire ça, c'est bien. Enfin, on ne peut pas renier une partie ou une autre. En même temps, voilà, c'est la campagne, les maisons comme ici. C'est tout un mélange. Et le Maroc est multiple à différents visages. Et on ne peut pas le résumer en disant c'est que comme ça ou que comme ça. Et il va falloir qu'on gère toutes ces différentes phases du Maroc, finalement. Et de ce point de vue, la poussée islamiste dans les urnes, ça vous dit quoi? Ça vous inquiète? Ça m'inquiète, mais en même temps, si c'est un processus démocratique, et je le répète, c'est important qu'on passe par là, peut-être c'est pour mieux rébondir après. C'est-à-dire que si Et venant de vous, ça a son poids, ce genre de propos. Mais c'est important, enfin voilà, je pense que c'est important d'avoir, de respecter la volonté d'une population par rapport à ça. Et peut-être que... Y compris si ça passe par une restriction de vos propres libertés. Oui, c'est important. C'est important. Bon, moi, j'ai la chance, c'est vrai que j'habite pas au Maroc, j'habite en France et que je suis entre les deux. Donc, c'est vrai que j'ai plus de chance, c'est facile pour moi de parler et de dire, voilà, je ne vis pas au quotidien au Maroc et qu'à ce moment-là, c'est plus compliqué pour les gens qui vont y habiter. Mais maintenant, c'est comme ça. Mais je pense que c'est important parce qu'il faut laisser faire les gens. Il faut laisser, si c'est la volonté d'une population, pour que...
pour que enfin, les islamistes soient au pouvoir, il faut peut-être passer par là pour pouvoir dire ben, c'est peut-être ça ou pas ça. Enfin voilà, c'est important. Mais vous ne craignez pas que les islamistes imposent, par exemple, à une femme comme vous, le port du voile, un certain comportement qui peut les choquer parce que vous vivez à l'occidental? Je pense pas que, honnêtement, qu'on arrive à imposer, justement, arrêter l'alcool, obliger les femmes à mettre le voile, etc. Je pense que c'est un peu compliqué. C'est aussi bloquer l'économie d'un pays, parce que ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, quand même, le Maroc vit aussi essentiellement du tourisme. On a quand même une image... Enfin, c'est un pays ouvert. Et je pense pas qu'on puisse laisser faire ça. Parce que ça va... On va tomber dans un pays... Et je pense pas. C'est pas le Maroc n'est pas l'Afghanistan, c'est pas l'Arabie l'Iran, Saoudite. C'est pas l'Iran, je veux dire, on peut pas. Voilà, c'est pas l'Afghanistan, exactement. C'est pas des pays où on peut pas tomber là-dedans parce que c'est tuer l'économie de notre pays. Et si on tue l'économie de notre pays, ben, il va y avoir un problème, quoi. C'est pas possible. Oh, j'adore le couscous. La nouvelle économie, c'est voler les riches pour revendre aux pauvres. Le Maroc à la croisée des chemins reste la destination de prédilection pour les Français. 1,5 million y passent en vacances, 40 000 ont choisi d'y vivre, un nombre en constante augmentation. Alors comment les Français réagissent-ils à la nouvelle donne politique? Qu'est-ce qui peut changer pour nos compatriotes? C'est le reportage d'Olivier Piketty. On pourrait être à Saint-Tropez, Ibiza ou sur la Costa Brava. Nous sommes pourtant à Marrakech, à la plage rouge, un détour obligé pour les fêtards. Si on veut vraiment s'éclater et bronzer, il faut venir ici. Franchement, c'est la destination, c'est la plage rouge. 3000 mètres carrés de plan d'eau puisés dans le désert et des matelas dont les plus chers sont à 250 euros la journée, champagne compris. Depuis un an, cette plage artificielle attire tous les jours des centaines de clients. Des people comme Anelka s'y sont mariés. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui vont voir, qui vont visiter la ville, qui vont plus se dépayser, et comme un peu les touristes. Et les gens qui viennent ici uniquement pour faire la fête, des gens comme nous qui viennent passer du bon temps à Marrakech et à la plage rouge. La plage rouge, c'est le symbole du Marrakech fun et les filles y sont provocantes. Une démarche osée dans un pays aussi puritain que le Maroc, mais pour le directeur des lieux, cela ne pose aucun problème. Ça fait vivre la population marocaine qui travaille, parce que nous, on embauche 120 personnes, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc 120 personnes, c'est 120 personnes de moins au chômage. Et s'il n'y a que des lieux comme ça, et tout le monde va travailler. Et au Maroc, le tourisme, c'est la poule aux œufs d'or. Depuis une dizaine d'années, ce pays est devenu un must international. Il y en a pour toutes les bourses. On vend même des packages à partir de 250 euros la semaine, et c'est la ruée. 1,5 million de Français se sont laissés séduire l'an dernier sur 6 millions de visiteurs au Maroc. Première halte obligée, Marrakech. C'est la ville la plus visitée du pays. Quasiment tous les Français qui se rendent au Maroc passent par ici. On vient surtout pour la place Jama El Fna, mais aussi pour son souk, ses boutiques et ses palabres. 100 dirhams, tu négocies. Là, dans le... en plus, il y a de la couleur, c'est sympa. Allez, vas-y, rentre. Et ça, c'est 200 dirhams, ça, c'est un bon prix. Vous avez de la chance, madame. Ça ferait 300 les deux, normalement. Allez, 50, celui-là. 50. 60 dirhams. C'est combien, monsieur, le cristal de roche? 200. Ah oui, l'améthyste. 160. 180, ça y est. 160. D'accord. Allez, 160. 200, ça y est. 200, non, d'accord. 180. 200, allez. Oh, j'ai rien gagné. 200, c'est 80. Non, j'ai fait plaisir à toi pour 200. Alors. 200, les deux. C'était 251, 200 les deux. On a l'impression de faire une affaire ou pas? Non, on a plutôt l'impression de passer un bon moment avec des gens super sympas. C'est gagnant-gagnant, les Marocains font des affaires et les Français s'y retrouvent aussi. C'est pourquoi des milliers de retraités ont choisi de s'installer dans des villes comme Essaouira.
La fiscalité très attractive et le coût de la vie modéré permet d'y vivre agréablement avec une retraite modeste. Jean-Claude s'est installé à Essaouira il y a 6 mois. Il est désormais résident marocain et apprend l'arabe. Ici, il n'est imposé que sur 20% de sa retraite. Partant de retraite, plein problème économique s'est posé, à savoir la valeur de ma retraite et le niveau d'imposition tel que nous le connaissons en France ne permettait pas d'avoir une vie telle que je souhaitais avoir, ceci dit sans extravagance. Il fallait en trouver une solution, l'expatriation en était une. J'ai choisi le Maroc, tout d'abord, parce que le Maroc est à 2h30 d'avion de la France, c'est donc relativement court. Parce qu'au Maroc, on y parle français, on y comprend le français, et la vieille amitié qui lie les deux peuples n'est pas à 20 mots. Jean-Claude vit dans la ville nouvelle d'Essaouira avec une retraite légèrement supérieure à 2000 euros par mois. Pour son appartement de 130 mètres carrés à un quart d'heure à pied de la mer, il a payé 115 000 euros. C'est 6 fois moins cher qu'un logement similaire sur la Côte d'Azur. On peut vivre avec un SMIC ici très correctement. On peut même avoir une femme de ménage. À titre indicatif, moi, je prends une femme de ménage 2 fois 4 heures par semaine, 4 heures, 4 heures et demie environ. Je la paye le double du tarif normal pratiqué, c'est-à-dire que pour ces 4 heures, 4 heures et demie, je lui donne 110 dirhams. 110 dirhams, ça équivaut à environ 9 euros. Un coût de la vie imbattable. Tu peux me donner 1 kilo de tomates, s'il te plaît ? 1 kilo de tomates ? C'est combien ? 4 dirhams. Ça, c'est le prix touriste. Donc, tu me fais un prix souiri. Tu me fais un prix souiri. Souiri 3. Souiri 3. 3 dirhams, souiri. 3, c'est bon. 3 dirhams, c'est moins de 30 centimes d'euros, 6 fois moins cher qu'en France. Là, dis-nous combien on fait. Là, vous choisissez le poisson, ce qu'il veut voler. Et après, tu dis combien tu me dois. Ah, voilà, c'est ça. Même si tu n'as pas d'argent, on va faire la vaisselle. Voilà. Tri des berbères. Ah. Pas de problème. Bienvenue. Pas de problème. J'y ferai la vaisselle. Non, là, vous choisissez. Et voilà, le bon goût de la simplicité. Voilà, ça c'est bon, ça c'est extraordinaire. Ça. Merci. Choukran. Les choses les meilleures ne sont pas forcément les plus raffinées. Le plaisir de manger un poisson qui sort de l'eau, avec le soleil, l'ambiance, le bruit, c'est un raffinement extraordinaire, quelque part. Au Maroc, les Français vivent bien. Alors ils y viennent aussi pour faire des affaires. Dans la foulée de quelques célébrités, près d'un millier d'entre eux se sont rués sur les maisons ou les riades de Marrakech. Les prix ont suivi. Il faut désormais une somme confortable pour monter ici une maison d'hôte. Voici l'un des plus beaux riads de Marrakech. Chose très rare dans la Médina, la vieille ville, il y a une piscine. Avec l'aide financière de sa famille, Emmanuel l'a ouvert en 2005. Ma raison principale, c'était de changer de travail, de changer de vie. C'était pas du tout de tout d'un coup d'essayer de gagner de l'argent en faisant un riad, pas du tout. J'étais enseignante, j'étais fatiguée de l'enseignement. Je rêvais de faire chambre d'hôte, je l'ai fait. Pour ce riad de 9 chambres, Emmanuel a embauché 9 personnes. Les salaires tournent autour de 350 euros par mois. C'est près du double du SMIC marocain. On sait que si on n'était pas là, les loyers n'auraient pas doublé, ne se seraient pas envolés comme ça. Et puis aussi, il y a aussi des côtés très positifs parce qu'on permet, là par exemple, dans ce riad, on permet à 9 personnes de travailler. Et tout le monde s'y retrouve. Quand on travaille pour un Français, c'est beaucoup mieux payé quand on travaille avec un Marocain. Moi, j'ai été payée en 3 500. Maintenant, j'ai trouvé un salaire très motivant. Quoi. C'est très intéressant. Et à combien, en l'occurrence ? 5 000. Actuel, ouais. Ce riad a été construit de toutes pièces sur un terrain vague au centre de la Médina. 14 mois de travaux, des dizaines d'allers-retours avec la France. Un véritable investissement. L'ensemble de la construction, donc, c'est en gros 250 000 euros de terrain et 450 000 euros de construction. Voilà, voilà le prix auquel faut rajouter l'aménagement. Par contre, c'est vrai qu'avec cette folie sur Marrakech actuellement, on a en gros, certains disent presque doublé, ou en tous les cas augmenté, d'une manière un peu considérable, l'investissement réalisé. En un an. Il faut savoir aussi, ouais, en 2 ans, on va dire, en 2 ans. Sauf que, aussi, c'est un risque.
C'est-à-dire que demain, le tourisme a peur, comme ça existe, ça a existé en Égypte, où à ce moment-là, vous auriez mieux fait de ne rien dépenser du tout. Pour l'instant, rien ne freine l'enthousiasme des Français. La somptueuse ville impériale de Fès est la nouvelle destination à la mode. Pour cette seule ville, Pascal Geller, agent immobilier, gère tous les mois au moins 500 demandes en provenance de l'Hexagone. Et aujourd'hui, il reçoit Suzanne, venue avec une amie pour acheter un riad. Suzanne est veuve, elle veut tourner la page sur sa vie parisienne. C'est pas Marrakech. J'ai fait un grand périple dans le, en fait, au Maroc. Et Marrakech, c'est bien, mais c'est complètement surfait. Maintenant, c'est complètement surfait. Et puis, il y a trop de monde, il y a trop... C'est fini, c'est Fès, la ville intelligente. À Fès, avec la plus belle mosquée et la plus belle médina du Maroc, Suzanne espère trouver un riad suffisamment grand pour y installer une maison d'hôte. La ville est en sous-capacité hôtelière. Dans quelques années, elle sera sans doute aussi populaire que Marrakech. Pendant 2 jours, Suzanne va visiter plusieurs riads. Dans la médina. Ça coûte combien ? Très cher. Très cher. 160 000 euros l'ensemble des... Bon, on n'a pas tout vu, hein, l'ensemble des 2 maisons. Je m'attendais à beaucoup moins cher quand même. Moi, j'en donne pas plus de 100 000 euros de ce truc. Ça se vendra jamais 160 000 ou 170 000 euros. Non, c'est impossible. Les balcons, les peintures, le cadre, celui-ci est à 130 000 euros. Je trouve que les pièces sont hyper sombres. C'est... Là, au moins, là, c'est... Ah bah oui, voilà, là, c'est déjà plus aéré. Ça coûte combien, ici ? 230 000 clés en main. Ça vous paraît... Ça me paraît quand même toujours un peu cher. Je m'attendais vraiment... C'est une surprise pour Suzanne. Avec la demande, le Maroc n'est plus aussi bon marché. Les prix explosent dans toutes les villes. Pour le logement de ses rêves, un riad de 600 mètres carrés, Suzanne devra débourser 200 000 euros, plus 70 000 euros de travaux. Là, le plafond est magnifique. Ça, c'est très sympa. Vous qui avez l'habitude, un riad comme ça en exploitant 4 chambres, par exemple, ça peut rapporter au propriétaire combien à peu près ? Ça, c'est des suites qu'on peut louer à 120-130 euros, hein, puisque c'est grand, il y a de la place. Oui. Donc vous faites le calcul, hein. C'est un riad qui peut amener 500 euros par jour, fois 30. Est-ce que vous avez peur de troubles politiques peut-être aussi ? Non, ça j'ai pas... Non, ça me fait pas plus peur qu'en France. Je veux dire que les troubles politiques, pour le moment, il y a un roi qui est là, qui est bien en place. À mon avis, il n'y a pas plus de soucis. Après, la délinquance, elle n'est pas pire qu'ailleurs, je pense pas. Des problèmes d'attentats, peut-être, hein. Pas plus qu'à Londres avant-hier, hein. Pas plus. Je veux dire que maintenant, quel que soit le pays où l'on se rend, on a un risque d'attentat. Quand on voit ce ciel bleu, on se dit qu'il ne peut rien nous arriver. Cet après-midi, au Maroc, à Meknès, un kamikaze a tenté de faire exploser un car transportant des touristes. La bonbonne de gaz qu'il portait a explosé avant qu'il n'ait atteint l'autocar. Les autorités. C'était le 15 août dernier. Un kamikaze a tenté de se faire exploser en montant dans un bus. Le réflexe du chauffeur qui lui a fermé la porte a évité le carnage, mais la cible était claire, le touriste occidental. La presse internationale est restée assez discrète sur l'événement et malgré l'attentat, le flux touristique n'a pas bougé. Les rues sont toujours bondées, au grand soulagement des autorités, mais aussi du PJD, le parti islamiste. Bonjour. Écoutez Younes Ben Slimane, vice-président du comité du tourisme à Marrakech. Plus de 70% de Marrakechis travaillent dans le domaine de tourisme, soit dans des hôtels, soit dans l'artisanat, et tout ça, et ça aide, le tourisme aide à développer la ville. Et je pense personnellement qu'il n'y a pas crainte tant que ces touristes viennent et respectent les coutumes marocaines. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, le tourisme est devenu la première source de revenus du Maroc. Des villes comme Agadir se sont en effet totalement dédiées à cette activité.
Presque chaque foyer en dépend. Et on en veut plus. Les grues jaillissent de partout. Alors la police locale ne veille qu'à une chose, le bien-être de ses hôtes. C'est le pragmatisme marocain. On accepte l'étrangère en bikini, même si la rigueur religieuse voudrait que les Marocaines se baignent habillées. Est-ce que ça vous dérange qu'il y ait des touristes qui viennent et qui se déshabillent ici Si ça pose un problème pour nous, mais tant qu'ils payent de l'argent et veulent bénéficier de leurs vacances, alors ils sont libres. Vos parents, est-ce qu'ils acceptent ça? Non, ils ne l'acceptent pas. Pardon? Ils ne l'acceptent pas. Par exemple, si je demande à mes parents, je veux aller à la plage, ils vont me dire, non, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il n'y a que des gens mal habillés, tu vois. Ah oui, parce que c'est notre religion. C'est contre la religion. Mais nous, on est habitués. Dans un pays en proie à des crispations sociales et religieuses, le bon sens des Marocains met pour l'instant les touristes à l'abri des remous. Mais le succès du développement touristique dépend avant tout de la stabilité du pays. Le renouvellement d'agressions ou d'attentats à l'égard des touristes pourrait ternir l'image de cette destination. Où va donc le Maroc, tiraillé entre le respect des traditions et l'ouverture sur le monde? Une course-poursuite s'est engagée entre les deux, qui demeure incertaine. Le Maroc n'est pas seulement un pays voisin et ami. Près d'1 million de Marocains vivent en France. La troisième communauté étrangère sur notre sol. L'avenir du Maroc nous concerne donc au premier chef. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site France2.fr. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions. À très bientôt. Très bonne soirée sur France 2. À Rabat, sur la côte marocaine, je connus en visitant le riz. Allah, Allah, la fille aussi dit couche-toi là. Une Fatma qui avait des yeux d'ébène et des seins longs comme des pendentifs. Allah, Allah, qui lui tombait sur les tibias. Le soir, en regardant le paysage, comme elle me vantait son patelin, très énervée par le voyage, je lui murmurais soudain. Ah, Rabat, 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 par ton pays je suis séduit, je veux faire la noupa, ah, Rabat, Rabat, Rabat. Belle folie, emmène-moi dans ton bourbi, on s'aimera, ah, Rabat, Rabat, Rabat. Il doit changer d'opérateur pour aller chez Neuf Télécom. Tout ça, vous allez le dire avec la voix chaleureuse, harponnante, donc un dynamisme, un sourire dans la voix. Bonjour, je suis Claire Lechant de Neuf Télécom. Je souhaite parler à madame Nathalie Delon, s'il vous plaît. C'est moi-même. C'est à quel sujet? Dans quelques mois, ces élèves, vous les aurez peut-être au téléphone. Donc le contenu en lui-même est bon, mais la voix est assez monotone, donc il n'y a pas assez de dynamisme. C'est une remarque assez pertinente. Toujours le même impératif, à l'autre bout du fil, personne ne devra savoir qu'ils sont tous marocains. Il faut humaniser l'offre. Tout à fait excellent. Rendre l'acte de vente plus humain, plus pour assurer le client et pour ne pas avoir cette boîte qui parle au client. Et qui... Excellent, excellent. Pour nous, c'est un challenge que de faire croire au client qu'il est en France. Parce que là, justement, c'est pour ça qu'on travaille tout ce qui est articulation, tout ce qui est élément d'adresse, tout ce qui est justement culture française. Hein, c'est pour justement avoir cette approche naturelle du client. Un opérateur téléphonique. Et pour mieux connaître ses clients français, tous les jours, une petite série de questions. Si je vous dis la choucroute, oui, c'est quoi français? C'est quelle région? La française, quelle région exactement? La région marseillaise, non? C'est l'Alsace. Le foie gras, c'est quelle région? C'est quelle région? Tous ne sont pas encore au point, mais dans 6 mois, ils auront une place dans un centre d'appel. Ils gagneront eux aussi 4 à 500 euros par mois, 3 fois le salaire moyen marocain. La délocalisation de services, une mine d'or que le Maroc compte bien exploiter jusqu'au dernier filon.
car l'industrie textile, l'ancien point fort, est concurrencée par la Chine. Alors le royaume doit se réinventer. Les entreprises étrangères, le Maroc leur déroule aujourd'hui le tapis rouge. Nous sommes sur l'un des chantiers les plus stratégiques du Maroc. Donc la façade en fait arrière, c'est la façade. Non, ça c'est l'autre façade, ça c'est la façade. Anouar Atmani et Cyril Khalili, deux des artisans marocains du projet. À eux de mener à bien les travaux de ce qui va devenir le plus grand centre d'affaires du Maroc, le Casanier Shore. Nous sommes ici sur une surface de 53 hectares au total, donc là où sera installé le parc, une quarantaine de bâtiments environ, à terme 250 000 m² de bureaux. Le Casanier Shore, c'est tout simplement le paradis de la délocalisation. Bas salaire, loyer dérisoire et pas d'impôts, les grands noms se bousculent, le premier bâtiment affiche déjà complet. Côté entreprise française, GFI, donc Logica, BNP Paribas. Qui ont débarqué les premiers. Londres est à 3 heures d'avion, ils ont déjà raflé plus de la moitié des lots. Il est vrai que Mohamed VI vient souvent dans la région et ça leur plaît beaucoup. C'est le projet du roi, le premier des projets du roi du Maroc. Okay. C'est le premier, il doit marcher, il doit être excellent. Il y a plein d'hôtels 4 ou 5 étoiles, c'est de la qualité, il y a tous les avantages que les gens d'Europe du Nord et même du monde recherchent pour passer leurs vacances. Des appartements à perte de vue, premier prix 80 000 euros, et des villas. Certaines coûtent plus de 400 000 euros, elles sont pratiquement toutes vendues. Mais il a été difficile de faire venir tous ces touristes. Espagne, Tunisie, Grèce, en Méditerranée, la concurrence est rude. Alors pour se démarquer, Saïdia a dû trouver un petit truc en plus. Donc là, c'est pas évident, on est où ? Là, on est dans un clubhouse. En construction, bien sûr, mais un clubhouse. Donc, pourquoi un clubhouse ? Eh bien, tout simplement parce que juste en face de vous, vous voyez, on est sur un golf. C'est pas tellement évident actuellement, mais c'est un golf, enfin une partie du premier golf. Les golfeurs, à Saïdia, on aime bien ça. Pour nous, ça nous permet d'avoir une clientèle assez intéressante à tout point de vue, au niveau donc, du pouvoir d'achat, et d'avoir justement une clientèle haut de gamme, qui va permettre justement de faire fonctionner aussi les autres activités qui vont autour. Pour un golf, il faut de l'eau. Mm-hmm. On voit autour de nous, c'est assez sec, c'est pas un problème, l'eau. Ça va pas se faire au détriment d'autre chose ? Non, au détriment, non. L'eau, on avait quand même prévu dès le départ, le début, qu'il nous fallait... C'est le discours obligé. Officiellement, il n'y a aucun problème d'eau et qu'importe la sécheresse, le développement économique passe avant tout. Au plus fort, les travaux, il y a eu jusqu'à 3000 ouvriers sur le site de Saïdia. Ça donne la chance à beaucoup de gens qui n'avaient pas de travail. Maintenant, il y a du travail pour tout le monde. C'est le travail de force. Je gagne par jour 67 dirhams par jour. Qu'est-ce qu'on fait avec 67 dirhams ? Je mange, je dors. Rien à faire. 600 000 touristes à Saïdia. Pour tous ses habitants, cela veut dire 8 000 emplois directs et 40 000 indirects. Du jamais vu dans la région de l'Oriental. Déjà, la vieille ville change, elle s'embellit. Lui, c'est Farid Chourak, le monsieur économie de l'Oriental. Un enfant du pays nommé par le souverain Mohamed VI. Il a donc droit à quelques égards. Vous l'aviez commandé ? Non. À lui de veiller à la bonne marche du plan royal. Jusque-là, tout semble fonctionner. Le taux de chômage est passé de 22 à 17 %. Reste entre toi et moi. Salut, 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 ça va ? Le Bessalik ? C'est signé d'un certain... Béra, Bra, Brahi... Et moi, j'ai bien fait te dire que ça reste entre toi et moi. Depuis quelques mois, le portable est devenu un moyen de drague pour les filles de la campagne. Chez nous, au Maroc, les garçons et les filles n'ont pas les mêmes droits. Les filles ne sont pas libres. Les garçons font ce qu'ils veulent. Ils peuvent sortir, ils peuvent fréquenter des filles. Mais les filles, elles ne peuvent pas. En tout cas, pas à la campagne.
Si j'avais une histoire d'amour avant de me marier, mes parents seraient capables de me tuer. Il y a plein d'histoires comme ça ici. Récemment, il y a même eu le cas d'un homme qui a tué sa fille à cause du scandale, parce qu'elle avait entaché la réputation de la famille. Sous la tente louée pour l'occasion, les hommes de la famille veillent. Les imams du village ont commencé à réciter les passages du Coran qui porteront chance à la Vierge et à son époux. Comme le veut la tradition, la mariée arrive pendant la prière du soir. Elle entre dans sa nouvelle demeure au bras de son oncle, car la promise ne doit pas poser pied à terre, au cas où une méchante femme aurait jeté un mauvais sort. Sur son chemin, elle jette des poignées de blé, gage de bonheur et de fertilité. La voici dans la chambre tout juste terminée. Une chambre avec électricité, s'il vous plaît. Il y a 3 mois, ici, on veillait encore à la bougie. Ahmed, le marié timide, a revêtu l'habit traditionnel. Il obéit au rituel que les femmes lui indiquent. La voix est assez monotone, donc il n'y a pas assez de dynamisme. C'est une remarque assez pertinente. Toujours le même impératif, à l'autre bout du fil, personne ne devra savoir qu'ils sont tous marocains. Il faut humaniser l'offre. Tout à fait excellent. Rendre l'acte de vente plus humain, plus pour assurer le client et pour ne pas avoir cette boîte qui parle au client. Et qui... Excellent, excellent. Pour nous, c'est un challenge que de faire croire au client qu'il est en France. Parce que là, justement, c'est pour ça qu'on travaille tout ce qui est articulation, tout ce qui est élément d'adresse, tout ce qui est justement culture française. Hein, c'est pour justement avoir cette approche naturelle du client. Un opérateur téléphonique. Et pour mieux connaître ses clients français, tous les jours, une petite série de questions. Si je vous dis la choucroute, oui, c'est quoi français ? C'est quelle région ? La française, quelle région exactement ? La région Marseille. C'est l'Alsace. Le foie gras, c'est quelle région ? C'est quelle région ? Tous ne sont pas encore au point, mais dans 6 mois, ils auront une place dans un centre d'appel. Ils gagneront eux aussi 4 à 500 euros par mois, 3 fois le salaire moyen marocain. La délocalisation de services, une mine d'or que le Maroc compte bien exploiter jusqu'au dernier filon. Car l'industrie textile, l'ancien point fort, est concurrencée par la Chine. Alors le royaume doit se réinventer. Les entreprises étrangères, le Maroc leur déroule aujourd'hui le tapis rouge. Nous sommes sur l'un des chantiers les plus stratégiques du Maroc. Et donc la façade en fait arrière, c'est la façade. Ça c'est la façade. Anouar Atmani et Cyril Khalili, deux des artisans marocains du projet. À eux de mener à bien les travaux de ce qui va devenir le plus grand centre d'affaires du Maroc, le Casanier Shore. Nous sommes ici sur une surface de 53 hectares au total, donc là où sera installé le parc, une quarantaine de bâtiments environ, à terme 250 000 m² de bureaux. Le Casanier Shore, c'est tout simplement le paradis de la délocalisation. Bas salaire, loyer dérisoire et pas d'impôts, les grands noms se bousculent, le premier bâtiment affiche déjà complet. Côté entreprise française GFI, donc Logica, BNP Paribas, nous avons le géant américain Dell, également le géant Tata, donc l'Indien. C'est l'une des politiques les plus agressives du Maroc. Mettre en avant la francophonie et l'absence de décalage horaire
pour attirer services informatiques, administratifs ou centres d'appel. Comme l'Inde ou la Chine, le Maroc veut sa part du gâteau de la mondialisation et sans complexe. Dans la globalisation en CAD. Dans la Médina. D'accord. Ça coûte combien ? Très cher. 160 000 euros, l'ensemble des... Bon, on n'a pas tout vu, hein, l'ensemble des deux maisons. Je m'attendais à beaucoup moins cher quand même. Dommage. Moi, j'en donne pas plus de 100 000 euros de ce truc. Ça se vendra jamais 160 000 ou 170 000 euros. Non, c'est impossible. Non. Les balcons, les peintures, le cadre, celui-ci est à 130 000 euros. Je trouve que les pièces sont hyper sombres. C'est... Là, au moins, là, c'est... Ah bah oui, voilà, là, c'est déjà plus aéré. Ça coûte combien ici ? 230 000 clés en main. Ça vous paraît... Ça me paraît quand même toujours un peu cher. Je m'attendais vraiment... Moi, je dis... C'est une surprise pour Suzanne. Avec la demande, le Maroc n'est plus aussi bon marché. Les prix explosent dans toutes les villes. Pour le logement de ses rêves, un riad de 600 mètres carrés, Suzanne devra débourser 200 000 euros, plus 70 000 euros de travaux. Là, le plafond est magnifique. Ça, c'est très sympa. Vous qui avez l'habitude, un riad comme ça en exploitant quatre chambres, par exemple, ça peut rapporter au propriétaire combien à peu près ? Ça, c'est des suites qu'on peut louer à 120, 130 euros, hein, puisque c'est grand, il y a de la place. Oui. Donc vous faites le calcul, hein. C'est un riad qui peut amener 500 euros par jour, fois 30. Est-ce que vous avez peur de troubles politiques peut-être aussi ? Non, ça me fait pas plus peur qu'en France. Je veux dire que les troubles politiques, pour le moment, il y a un roi qui est là, qui est bien en place. À mon avis, il n'y a pas plus de soucis. Après, la délinquance, elle n'est pas pire qu'ailleurs, je pense pas. Des problèmes d'attentats, peut-être, hein. Pas plus qu'à Londres avant-hier, hein. Pas plus. Je veux dire que maintenant, quel que soit le pays où l'on se rend, on a un risque d'attentat. Quand on voit ce ciel bleu, on se dit qu'il ne peut rien nous arriver. Cet après-midi, au Maroc, à Meknès, un kamikaze a tenté de faire exploser un car transportant des touristes. La bonbonne de gaz qu'il portait a explosé avant qu'il n'ait atteint l'autocar. Les autorités. C'était le 15 août dernier. Un kamikaze a tenté de se faire exploser en montant dans un bus. Le réflexe du chauffeur qui lui a fermé la porte a évité le carnage, mais la cible était claire, le touriste occidental. La presse internationale est restée assez discrète sur l'événement et malgré l'attentat, le flux touristique n'a pas bougé. Les rues sont toujours bondées, au grand soulagement des autorités, mais aussi du PJD, le parti islamiste. Miss et Naïma, la future mariée, qui en a la charge depuis déjà de longues années. Personne dans le village n'a l'eau courante. Et c'est comme ça dans la plupart des campagnes au Maroc. La lessive demande bien 4 heures d'effort. Et 4 heures, c'est quand tout va bien. Tous les étés, c'est comme ça. L'eau manque dans le puits. C'est très dur, j'en ai marre, c'est fatigant. Je n'arrête pas, je ne vois pas comment faire autrement. J'ai beau tirer et tirer, ça se remplit à peine. La meilleure amie de la mariée a vécu quelques années à la ville. Et le retour est assez rude. Ici, à la campagne, il n'y a pas de machine à laver. Il n'y a pas de savon. Il n'y a pas de réfrigérateur. La vie à la campagne est vraiment très dure. Regardez, depuis ce matin, nous avons perdu une heure juste pour aller chercher un bout de savon. Et en plus, il n'y en a pas. Il n'y a même pas assez d'eau pour faire la lessive. Regardez tout ce qui nous manque. Et en plus, ici, on ne peut même pas aller à l'école. En fait, il n'y a pas de collège, mais il y a bien une école. Et comme l'a voulu le roi, il y a 5 ans, elle est maintenant obligatoire pour tous les enfants.
Mais le bâtiment est à une demi-heure de marche. En hiver, avec la boue, on y va quand on en a le courage, ou on n'y va pas du tout. C'est le cas du petit cousin du marié. Ses mains sont celles d'un homme, mais il a 14 ans. Il n'a pas mis les pieds à l'école depuis près de 3 ans parce qu'il travaille avec son grand-père dans une des poteries qui font la réputation du village. Tout est difficile, tout. Fabriquer la boue, c'est difficile. La pétrir, c'est difficile. Combien d'heures travailles-tu dans une journée ? De 7h du matin jusqu'à 7h du soir. L'enfant gagne 2 euros par jour, c'est-à-dire 2 fois moins que son grand-père. Au Maroc, pourtant, la loi interdit le travail avant 16 ans. Mais ici, la loi cède le pas devant l'adversité. Ses parents, ils préfèrent qu'il n'aille pas à l'école. Comme ça, il rapporte quelques sous en travaillant ici. Avec ces quelques sous, tirent coûte que coûte, même en risquant leur vie. Dans un document exceptionnel, nos confrères de Thalassa, Jérôme Laurent et Yvon Baudin ont suivi ces candidats à l'exil. Port de Tanger, nous sommes au mois de décembre. Les derniers ferries de la journée s'apprêtent à partir pour l'Espagne. À leur bord embarquent des semi-remorques venus de toute l'Europe s'approvisionner au Maroc. Notre équipe filme librement pour un reportage officiellement consacré au développement économique du port. Mais en réalité, si nous sommes ici, c'est pour une toute autre histoire. Viens par ici, viens. Descends, descends. Allez, viens ici ou je lâche le chien. Aïe, aïe, mes couilles, j'ai les couilles coincées. Quoi tes couilles ? Tu te fous de moi ? Tout à l'heure, c'était tes jambes qui étaient coincées. Allez, maintenant, descends, mon ami. Je peux pas, je suis coincé, je vous dis. Laissez-moi sortir doucement, ne me tirez pas. Caché dans les essieux du camion, ce jeune homme vient de risquer sa vie pour être embarqué à bord du ferry. Peine perdue. Tu as de la chance qu'il y ait cette caméra aujourd'hui, sinon... Vas-y. En moins d'une heure, 5 adolescents vont être ainsi délogés de plusieurs semi-remorques. Où est-ce que tu voulais aller ? En Espagne. On va aller travailler là-bas. C'est la première fois que vous tentez la traversée ? Non, on l'a fait plein de fois. Alors certains vivent là depuis des années, au plus près du port, et parfois même à l'intérieur. Comme dans ces conteneurs, transformés en squats de fortune. Plus loin, alors que nous marchons toujours à l'intérieur du port, nous découvrons une brèche dans le mur d'enceinte. Surgit alors un peuple fantôme qui vit dans les roches des digues extérieures. Des gamins, souvent défoncés,
à la colle ou au shit pour faire passer la faim et le froid. Venez, venez, je vous montre où j'habite, venez voir. Regarde ma maison, regarde ma maison. Regarde ma niche. J'ai même fait un ascenseur dedans. On a le bac, on a fait des études, on est allé en deuxième année de faculté, on a la licence et on vient pour brûler. Est-ce que ça a un sens tout ça? Quand les autorités t'arrêtent, il faut les payer pour qu'elles te libèrent, c'est vrai ou non? Il y a des gens qui vivent dans des immeubles et nous on habite dans des niches comme des animaux. C'est quoi ça? Tu vois un vieux dans une voiture de luxe et toi, tu n'as même pas de chaussures. Regarde un peu mes pieds, ce sont des chaussures ça? Il y a que des voleurs ici, de bas en haut de l'échelle. Les autorités et même les ministres sont des voleurs. Arrête, arrête, il ne faut pas parler de ça. Mais la réalité, je dois la dire, il faut parler de tout maintenant. Pourquoi on va rester dans ce pays? Quel âge as-tu, toi? 30 ans? Toi, à ton âge, sors-moi 2 euros de tes poches si tu les as. Devant ces gens, vas-y. Tu n'as même pas un dirham par an dans tes poches. Et en Europe, même sans travailler, en restant assis, tu peux toucher un salaire. Si tu as perdu tes parents là-bas, il y a des centres pour s'occuper de toi. Chaque semaine, on te donne de nouvelles chaussures. Chaque jour, tu peux te doucher. Toi, tu vis comme un insecte ici. Moi, je me douche une fois par an, comme un animal. Et je vais te dire, en Espagne, même une mouche, elle est mieux traitée que nous. Après une heure de marche, les voici à l'autre bout du village, chez la sœur d'Asna. Saïda. Bonjour Hadidja, je viens demander votre aide. Ça y est, on a décidé, la mariée arrivera cette fin de semaine. Il faudra que tout soit prêt avant la prière du soir parce que c'est à ce moment-là qu'elle arrive. Oui, mes filles peuvent venir t'aider si tu veux. C'est possible demain? Demain si tu veux, il n'y a pas de problème. Tous les jours que tu veux. Oui, parce que tu comprends, j'ai vraiment besoin d'aide. Le cousin du marié charge donc quelques affaires qui seront utiles pour la fête. La lessive du vendredi. En tant qu'aînée de la famille, c'est Naïma, la future mariée, qui en a la charge depuis déjà de longues années. Personne dans le village n'a l'eau courante. Et c'est comme ça dans la plupart des campagnes au Maroc. La lessive demande bien 4 heures d'effort. 4 heures, c'est quand tout va bien. Tous les étés, c'est comme ça. L'eau manque dans le puits. C'est très dur, j'en ai marre, c'est fatigant. Je n'arrête pas, je ne vois pas comment faire autrement. J'ai beau tirer et tirer, ça se remplit à peine. La meilleure amie de la mariée a vécu quelques années à la ville.
et le retour est assez rude. Ici, à la campagne, il n'y a pas de machine à laver. Il n'y a pas de savon. Il n'y a pas de réfrigérateur. Meknès, l'une des quatre villes impériales du royaume, dirigée depuis les élections municipales de 2003 par le PJD. Le maire, c'est lui, Aboubekr Belkora, 53 ans, affable et souriant. Ici, il est populaire car il a lutté contre la corruption. L'État ne lui a pas facilité la tâche au début de son mandat. Les crédits étaient rares. Mais depuis l'arrivée d'un nouveau préfet, les fonds publics sont revenus. Le maire, avec l'aide du représentant du roi, est en train de débarrasser Meknès de ses bidonvilles. Il y avait 800 baraques à éradiquer ici, il a fait un effort monstre. On a tout fait pour redonner à la place tout son charme. Nous allons essayer de reprendre en jardin et ça va donner vraiment très bien pour la ville. Bien sûr, il est musulman et profondément croyant, fier de ses 5 prières quotidiennes à la mosquée. Mais ce n'est pas un intégriste. À Meknès, il n'y a pas de charia. Il n'y a pas d'interdiction. Nous, on n'est pas pour l'interdiction. Nos amis, ils construisent des discothèques et nous, on pousse à ce qu'il y ait le maximum de mosquées. Et chacun trouve sa voie. Confronté à l'exercice du pouvoir, le PJD a dû mettre de l'eau dans son vin. Même si l'islam interdit la consommation d'alcool aux musulmans, pas question de toucher à la vigne, principale ressource de la région. Au grand soulagement de Mehdi Bouchara qui travaille dans cette exploitation de renom. En 2005, le jour où le maire a été élu, je vais être très franc, moi personnellement ça a été un peu un choc et le lendemain, une petite gueule de bois quand même. Pourquoi ? Parce qu'on n'en savait rien, parce que le PJD c'était ce dont on en entendait parler. Aujourd'hui, le vigneron et le maire barbu sont devenus les meilleurs amis du monde. On vous amène le diable là, quelqu'un qui fait du vin. Ouais, ça, il y a des bons petits diables et des mauvais petits diables. Et moi, lui, c'est bon le bon petit diable. C'est du pragmatisme aussi, il y a des touristes. Ben, c'est sûr qu'il y a des touristes, et personne n'est contre les touristes, personne n'est contre la vente d'alcool aux touristes, au contraire. Le PJD au pouvoir, c'est pas les femmes voilées, on interdit l'alcool. La preuve, vous avez ma femme, elle n'est pas voilée. J'aurais souhaité qu'elle soit voilée, mais c'est elle qui décide. Des femmes voilées, pourtant, on en trouve beaucoup dans les rangs du PJD. Si les dirigeants offrent aux caméras un discours lisse et consensuel, une partie de la base, elle, est nettement plus radicale. Ce conservatisme, on le retrouve à longueur de colonne dans les journaux proches du parti, comme dans ce quotidien de Rabat, à Tajdid. Le journal tire à bout. Vu de France, les islamistes font souvent figure d'épouvantail associé aux menaces d'attentats. Mais en fait, la réalité marocaine est plus complexe. Qui sont réellement les islamistes marocains? Doit-on en avoir peur? Quels sont leurs projets? C'est l'enquête impressionnante d'Arnaud Miguet et de Philippe Jasselin. Ils ont pour symbole une lampe à huile. Celle qui donne la lumière, celle qui éclaire le chemin. Il est encore long. En septembre 2007, les islamistes du PJD, le Parti de la Justice et du Développement, n'ont pas gagné les élections, mais ils sont désormais la deuxième force politique du royaume. Et voici leur chef, Saad Eddine El Othmani, secrétaire général du parti. Un barbu, évidemment, mais bon chic, bon genre. Ce psychiatre de 51 ans est soucieux de respecter les règles du jeu démocratique. Le modèle du PJD, c'est la Turquie. Les islamistes au pouvoir à Ankara ont démontré qu'ils pouvaient diriger un grand pays. Alors pourquoi pas eux, un jour au Maroc ? D'autant que le palais les a intégrés fort adroitement dans le jeu politique, d'abord à dose homéopathique, plus largement aujourd'hui.
direction Meknès, l'une des quatre villes impériales du royaume. Dirigée depuis les élections municipales de 2003 par le PJD. Le maire, c'est lui, Aboubekr Belkhora, 53 ans, affable et souriant. Ici, il est populaire, car il a lutté contre la corruption. L'État ne lui a pas facilité la tâche au début de son mandat, les crédits étaient rares. Mais depuis l'arrivée d'un nouveau préfet, les fonds publics sont revenus. Le maire, avec l'aide du représentant du roi, est en train de débarrasser Meknès de ses bidonvilles. Il y avait 800 baraques à éradiquer ici, à faire un effort monstre. On a tout fait pour redonner à la place tout son charme. Nous allons essayer de reprendre en jardin et ça va donner vraiment très bien pour la ville. Bien sûr, il est musulman et profondément croyant, fier de ses cinq prières quotidiennes à la mosquée. Mais ce n'est pas un intégriste. À Meknès, il n'y a pas de charia. Il n'y a pas d'interdiction. Nous, on n'est pas pour l'interdiction. Nos amis construisent des discothèques et nous... C'est le grand jour, les gâteaux de fête, le henné des heureux événements, le maquillage de la mariée. On reconnaît à peine la petite jeune fille qui empoignait le linge au puits avant-hier. Asna s'est fait prêter le four à gaz de la voisine, celui qu'on utilise quand on a beaucoup d'invités. Les nièces ont tenu leur promesse, elles s'occupent des pâtisseries, portable à portée de main, comme tout le monde maintenant au village. Tiens, je crois que j'ai reçu un message. Regarde pour moi, je ne sais pas bien m'en servir. Tu vas voir le message et tous les autres, mais ça reste entre toi et moi. Salut, ça va? Le Bessalik? C'est signé d'un certain... Brahi... Bon, j'ai bien fait de te dire que ça reste entre toi et moi. Depuis quelques mois, le portable est devenu un moyen de drague pour les filles de la campagne. Chez nous, au Maroc, les garçons et les filles n'ont pas les mêmes droits. Les filles ne sont pas libres. Les garçons font ce qu'ils veulent. Ils peuvent sortir, ils peuvent fréquenter des filles. Mais les filles, elles ne peuvent pas. En tout cas, pas à la campagne. Si j'avais une histoire d'amour avant de me marier, mes parents seraient capables de me tuer. Il y a plein d'histoires comme ça ici. Récemment, il y a même eu le cas d'un homme qui a tué sa fille à cause du scandale, parce qu'elle avait entaché la réputation de la famille. Sous la tente louée pour l'occasion, les hommes de la famille veillent. Les imams du village ont commencé à réciter les passages du Coran qui porteront chance à la Vierge et à son époux. Comme le veut la tradition, la mariée arrive pendant la prière du soir. Elle entre dans sa nouvelle demeure au bras de son oncle, car la promise ne doit pas poser pied à terre. À la suite de la diffusion de ce reportage qui a fait grand bruit ici, les autorités marocaines ont décidé de faire cesser ces pratiques insupportables pour l'image du pays.
Quand il monte sur le trône en 1999, Mohamed VI se donne pour objectif de changer le visage du royaume, marqué par les 38 années du règne de fer de son père, Hassan II. Le jeune souverain se présente comme le roi des pauvres, conscient des difficultés rencontrées par l'immense majorité de son peuple. Mohamed VI entreprend de moderniser son pays avec une succession de réformes libérales destinées à ouvrir la société et à dynamiser l'économie. Avec quelques succès, le Maroc a connu plus de 7% de croissance en 2006. Pour donner de l'espoir à la jeunesse de ce pays, il faut au minimum, selon les experts, 6% de croissance par an. Le roi et son gouvernement se sont donc lancés dans une course effrénée au développement économique, au point d'ailleurs de changer les paysages et les villes marocaines, avec l'ambition affichée de faire de ce pays le dragon du Maghreb. Voyez ce reportage de Vincent Fourcade et d'Éric Messi. C'est la plus grande tour de Casablanca, et c'est là que tout a commencé. Au Maroc, Christophe Faméchon est un pionnier. Il y a 7 ans, il arrive avec une mission, monter les centres d'appel. Donc nous voici sur un plateau de renseignement téléphonique, ouvert de 8h à 19h. Environ 20 000 appels par jour sont traités ici. Abonnement internet, renseignement téléphonique, service après-vente. Oui, vous voulez savoir des explications concernant la facture avant-dernière. Il y a de fortes chances que sans le savoir, vous ayez déjà parlé à l'un de ces jeunes Marocains. Sans aucun problème, je peux confirmer cela. D'accord, monsieur. Dans ce cas, je vous remercie de votre appel et je vous souhaite une excellente soirée de la part de... Au revoir. Nous avons ici des gens qui sont minimum Bac plus 3, Bac plus 4. Donc une manœuvre extrêmement bien qualifiée, qui parle bien français. Et aussi un avantage compétitif au niveau du coût salarial, évidemment. Je vous invite à contacter notre service. Bien sûr, on va tester la ligne. Si vous avez la 350 à 500 euros par mois, c'est moitié moins cher qu'en France. À ce tarif-là, les emplois traversent vite la Méditerranée et les clients de ce centre préfèrent que... Je suis pour que la femme se voile tout en montrant son visage et ses mains. À part ça, je pense que l'être humain, il a sa liberté de s'habiller comme il veut. Mais pour moi, une femme qui se balade dans la rue en bikini, c'est une femme qui est en train d'atteindre la morale publique, et cela ne devrait pas être permis, c'est tout. Nous sommes contre l'ostentation de la débauche. C'est quoi la débauche ? Pour nous, des gens qui s'embrassent en plein public, des hommes qui s'embrassent entre eux, et puis qui est tout ce qui va avec comme saleté, etc. C'est pas moi qui vais vous dire ça, vous le savez très bien. Nous pensons que ce qu'on a est valable pour nous et pour toute l'humanité entière, parce que nous pensons que c'est nous qui avons raison. Pendant cette campagne législative, le PJD a fait profil bas sur les questions de morale et de religion. Pas question d'inquiéter les Marocains. Pas question non plus de passer pour des intégristes. Le PJD a fait campagne contre la corruption et pour le développement. En économie, les islamistes du PJD sont des libéraux favorables au marché. Bonjour. Monsieur El Othmani n'a pas gagné ses élections, mais il ne rechignerait pas un jour à devenir Premier ministre de Sa Majesté. On peut être islamiste, royaliste et moderne. On se voit plus à l'image des chrétiens démocrates. En Europe, par exemple, ce sont des partis politiques qui se basent sur les valeurs chrétiennes. Nous aussi, on est fiers de se baser sur les valeurs islamiques. Nous sommes sûrs qu'on est un rempart contre l'intégrisme, parce que prêcher un islam tolérant, un islam démocratique, disons, c'est ce qui va amener les jeunes à être plus modérés, donc à diminuer les chances de l'intégrisme. Un rempart contre l'intégrisme. Depuis 4 ans, le Maroc vit sous la menace terroriste. Et les barrages filtrants de la gendarmerie que l'on retrouve sur tous les grands axes routiers, à l'entrée des grandes villes, comme ici à Casablanca, rappellent que le pays est toujours à son niveau d'alerte maximum. Fouilles de véhicules, contrôles surprises, les autorités sont sur le qui-vive.
tout comme magasins, restaurants, grands hôtels, gardés 24 heures sur 24 par des compagnies de sécurité privées. Le pays vit dans la hantise de l'attentat suicide. Attentat comme celui de Meknès. Le 13 août dernier, un kamikaze se fait exploser devant un bus de touristes. Le carnage est évité de justesse. En mars, c'est courant plus radical au point d'inquiéter les Occidentaux. Vu de France, les islamistes font souvent figure d'épouvantail associé aux menaces d'attentats. Mais en fait, la réalité marocaine est plus complexe. Qui sont réellement les islamistes marocains? Doit-on en avoir peur? Quels sont leurs projets? C'est l'enquête impressionnante d'Arnaud Miguet et de Philippe Jasselin. Ils ont pour symbole une lampe à huile. Celle qui donne la lumière, celle qui éclaire le chemin. Il est encore long. En septembre 2007, les islamistes du PJD, le Parti de la Justice et du Développement, n'ont pas gagné les élections, mais ils sont désormais la deuxième force politique du royaume. Et voici leur chef, Saad Eddine El Othmani, secrétaire général du parti. Un barbu, évidemment, mais bon chic, bon genre. Ce psychiatre de 51 ans est soucieux de respecter les règles du jeu démocratique. Le modèle du PJD, c'est la Turquie. Les islamistes au pouvoir à Ankara ont démontré qu'ils pouvaient diriger un grand pays. Alors pourquoi pas eux, un jour au Maroc? D'autant que le palais les a intégrés fort adroitement dans le jeu politique, d'abord à dose homéopathique, plus largement aujourd'hui. Direction Meknès, l'une des quatre villes impériales du royaume. Dirigée depuis les élections municipales de 2003 par le PJD. Le maire, c'est lui, Aboubekr Belkora, 53 ans, affable et souriant. Ici, il est populaire, car il a lutté contre la corruption. L'État ne lui a pas facilité la tâche au début de son mandat, les crédits étaient rares. Mais depuis l'arrivée d'un nouveau préfet, les fonds publics sont revenus. Le maire, avec l'aide du représentant du roi, est en train de débarrasser Meknès de ses bidonvilles. Il y avait 800 baraques à éradiquer ici, à faire un effort monstre. On a tout fait pour redonner à la place tout son charme. Nous allons essayer de reprendre en jardin et ça va donner vraiment très bien pour la ville. Bien sûr, il est musulman et profondément croyant, fier de ses 5 prières quotidiennes à la mosquée. Mais ce n'est pas un intégriste. À Meknès, il n'y a pas de charia. Il n'y a pas d'interdiction. Nous, on n'est pas pour l'interdit du royaume. Dirigé depuis les élections municipales de 2003 par le PJD. Le maire, c'est lui, Aboubekr Belkora, 53 ans, affable et souriant. Ici, il est populaire, car il a lutté contre la corruption. L'État ne lui a pas facilité la tâche au début de son mandat. Les crédits étaient rares. Mais depuis l'arrivée d'un nouveau préfet, les fonds publics sont revenus. Le maire, avec l'aide du représentant du roi, est en train de débarrasser Meknès de ses bidonvilles. Il y avait 800 baraques à éradiquer ici, à faire un effort monstre. On a tout fait pour redonner à la place tout son charme. Nous allons essayer de reprendre en jardin et ça va donner vraiment très bien pour la ville. Bien sûr, il est musulman et profondément croyant, fier de ses 5 prières quotidiennes à la mosquée. Mais ce n'est pas un intégriste. À Meknès, il n'y a pas de charia. Il n'y a pas d'interdiction. Nous, on n'est pas pour l'interdiction. Nos amis construisent des discothèques et nous, on pousse à ce qu'il y ait le maximum de mosquées. Et chacun trouve sa voie. Confronté à l'exercice du pouvoir, le PJD a dû mettre de l'eau dans son vin. Même si l'islam interdit la consommation d'alcool aux musulmans, pas question de toucher à la vigne, principale ressource de la région. Au grand soulagement de Mehdi Bouchara qui travaille
dans cette exploitation de Renault. En 2005, le jour où le maire a été élu, je vais être très franc, moi personnellement, ça a été un peu un choc. Et le lendemain, une petite gueule de bois quand même. Pourquoi ? Parce qu'on n'en savait rien, parce que PJD, c'était ce dont on en entendait parler. Aujourd'hui, le vigneron et le maire barbu sont devenus les meilleurs amis du monde. On vous amène le diable, là. Quelqu'un qui fait du vin. Ouais, ça, il y a des bons petits diables et des mauvais petits diables. Et moi, lui, c'est bon le bon petit diable. C'est du pragmatisme aussi, il y a des touristes. Ben, c'est sûr qu'il y a des touristes. Personne n'est contre les touristes. Personne n'est contre la vente d'alcool aux touristes. Au contraire. Le PJD au pouvoir, c'est pas les femmes voilées. On interdit l'alcool. La preuve, vous avez ma femme, elle n'est pas voilée. J'aurais souhaité qu'elle soit voilée, mais c'est elle qui décide. Des femmes voilées, pourtant, on en trouve beaucoup dans les rangs du PJD. Si les dirigeants offrent aux caméras un discours lisse et consensuel, une partie de la base, elle, est nettement plus radicale. Ce conservatisme, on le retrouve à longueur de colonne dans les journaux proches du parti, comme dans ce quotidien de Rabat, à Tajdid. Le journal tire à boulet rouge sur le spectacle offert. Brahi. Moi, j'ai bien fait de te dire que ça reste entre toi et moi. Depuis quelques mois, le portable est devenu un moyen de drague pour les filles de la campagne. Chez nous, au Maroc, les garçons et les filles n'ont pas les mêmes droits. Les filles ne sont pas libres. Les garçons font ce qu'ils veulent. Ils peuvent sortir, ils peuvent fréquenter des filles. Mais les filles, elles ne peuvent pas. En tout cas, pas à la campagne. Si j'avais une histoire d'amour avant de me marier, mes parents seraient capables de me tuer. Il y a plein d'histoires comme ça ici. Récemment, il y a même eu le cas d'un homme qui a tué sa fille à cause du scandale, parce qu'elle avait entaché la réputation de la famille. Sous la tente louée pour l'occasion, les hommes de la famille veillent. Les imams du village ont commencé à réciter les passages du Coran qui porteront chance à la Vierge et à son époux. Comme le veut la tradition, la mariée arrive pendant la prière du soir. Elle entre dans sa nouvelle demeure au bras de son oncle, car la promise ne doit pas poser pied à terre, au cas où une méchante femme aurait jeté un mauvais sort. Sur son chemin, elle jette des poignées de blé, gage de bonheur et de fertilité. La voici dans la chambre tout juste terminée. Une chambre avec électricité, s'il vous plaît. Il y a 3 mois, ici, on veillait encore à la bougie. Ahmed, le marié timide, a revêtu l'habit traditionnel. Il obéit au rituel que les femmes lui indiquent. Je suis un homme chanceux, j'ai pu choisir ma femme. C'est rare ? Oui, c'est rare. J'aspire à vivre en... Ah oui, c'est bon. C'est une grosse société mondiale qui vient visiter chez nous. On est heureux d'être avec nous, de travailler chez nous. Sur chaque visage, un sourire. Sûrement la fierté d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Maroc. Tanger Med, c'est également l'occasion pour de nombreux Marocains de trouver chez eux
ce qu'ils étaient partis chercher ailleurs. Je suis parti en France pour terminer mes études. J'ai décroché un diplôme en ingénierie. Je suis ingénieur en système et réseau. Et j'ai bien évidemment décidé de retourner au Maroc pour participer au développement de mon pays. En principe, je ne quitterai pas le Maroc. Je suis marocain, j'ai vécu aux États-Unis et je veux participer au développement économique de mon pays. Combien de temps vous pensez rester au Maroc ? Peut-être pour toujours. Si j'arrive à me marier, à avoir des enfants, je reste ici. Pour relier Tangemed au reste du pays, des kilomètres de routes et d'autoroutes ont surgi des montagnes du Rif. Des milliers de personnes expropriées pour laisser place à ces rubans de bitume. Avancer, quoi qu'il en coûte. À marche forcée vers le développement, le Maroc a maintenant dévoilé toutes ses cartes. Pour le royaume, demain sera peut-être un jour nouveau. Ce Maroc moderne, il a été filmé en partie dans cette villa des hauteurs de Casablanca par une jeune réalisatrice, Leila Marakchi. Son premier long-métrage, Maroc, qui a provoqué la fureur des islamistes, décrit bien une société écartelée entre la tradition et l'occidentalisation. On défend nos libertés. Maroc ! Il est où tu... Mais t'es malade ou quoi, Maroc ? Qu'est-ce que tu fais ? T'es tombé sur la tête ? T'es zinzin ? Tu t'es cru en Algérie ou quoi ? Non, ouais. Ça y est, tu vas devenir barbu, c'est ça ? Non. Papa, maman, il y a votre fils qui est devenu complètement fou. Allez, fais genre tu m'entends pas, réponds pas, c'est bien. Bon putain, il est où le jean que tu m'as ramené ? Non, d'accord. Putain, fiché. Mao, je te parle, putain. Tu peux me répondre une seconde, il est où le jean, merde. Mao, il est où? Je l'ai trouvé, merci. Hé hey, Mao, tu t'es trompé de direction, la mec, c'est de l'autre côté. Alors, on a un peu l'impression, en regardant votre extrait de film, que le Maroc, c'est une société coupée en deux. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est schizophrène ? Quand des gens dans la même situation, eh bien, on peut comprendre que ça le conduise au désespoir. Ça fait de lui un kamikaze potentiel, parce que tout ça, ça vous bouffe le cerveau. C'est contraire à l'islam, mais nous, on comprend. Dans les bidonvilles du Maroc, il y a des luttes d'influence entre les islamistes prônant le terrorisme et ceux qui ont renoncé à la violence. C'est le cas de l'association Justice et Bienfaisance. L'égérie de ce mouvement islamiste, c'est elle, Nadia Yassine. Aujourd'hui, en visite dans un bidonville à Salé. Le désespoir. Vous allez comprendre maintenant pourquoi on a des kamikazes. Alors là, c'était des anciennes écuries. Vous allez voir les arcs là-bas et bon, ils font avec. Justice et Bienfaisance, créée dans les années 70, est omniprésent dans les quartiers déshérités du Maroc. Le mouvement occupe la place désertée par l'État. Même pas de canalisation. Notre islam à nous, c'est un islam libérateur. C'est un islam libérateur parce que seule la foi peut nous donner le souffle pour opter pour un changement sans la violence. Parce que quand on voit ça, on a envie de se faire exploser. On est sinistrés, on est un peuple de sinistrés. Il y a de plus en plus de Marocains qui vont vers cette précarité et une toute petite élite qui est en train de s'enrichir jour après jour, de construire des palais et des... Et nous, ça... Moi, ça me fait très mal au cœur. Ça me fait très mal au cœur. L'objectif du mouvement est de réislamiser la société grâce à l'action sociale. Alors elle ouvre des points d'eau potable et donne des cours d'alphabétisation aux femmes des bidonvilles. Oui, cette association nous est très chère. Nous ne pouvons plus vivre sans elle. J'ai appris à lire, à utiliser un téléphone. Je ne savais même pas faire ça. J'ai appris à reconnaître les noms des rues. Maintenant, je peux lire le nom des places. Je sais me diriger. J'ai même appris le Coran. Je
Le Coran, il est omniprésent dans l'enseignement de justice et bienfaisance. Mais pas seulement le Coran. Il y a l'idéologie. Le mouvement prône l'avènement du califat et l'instauration de l'État islamique au Maroc, basé sur la charia. Le retour à un islam pur et dur. Un appel relayé aujourd'hui dans tout le Maroc par les chaînes du Golfe, captées par satellite. Grâce au quadrillage de terrain, à l'encadrement des disciples, Justice et Bienfaisance peut mobiliser des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Comme ici à Casablanca en 2003, contre la réforme. Je dirais à peu près 2000. Lorsqu'il n'essaye pas de brûler, Younes traîne souvent le soir dans les rues de Tanger. C'est nombreux ici. Il nous emmène vers une petite place de la Médina qui surplombe le port. Là se retrouvent tous les soirs des dizaines de haraga qui échafaudent leur plan pour partir. Moi, je vais essayer de passer directement avec l'équipage du bateau. J'ai un contact, je me cache à l'intérieur et j'attends. Au Maroc, même si tu travailles toute la journée, tu gagneras quoi? À peine 5 euros. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 50 dirhams? Tu vas pouvoir faire manger ou aider ta famille? Acheter le mouton pour l'Aïd? Non. Avec 50 dirhams, la seule chose que tu peux faire, c'est acheter 10 mètres de corde. Tu l'accroches à un arbre et tu te pends. Voilà, tu te pends. Les haragas n'ont pas les moyens de se payer la mafia, celle qui vous propose de brûler le détroit à bord de barques surchargées, les fameuses pateras, ou qui fournit de faux papiers d'immigration en jouant sur la corruption de fonctionnaires. Pour passer avec les mafias, il faut être prêt à débourser jusqu'à 7000 euros, sans garantie de réussite. Les haragas, eux, n'ont pas un dirham en poche. La honte de rentrer au village ou dans le quartier, sans avoir réussi à brûler, les empêche de revenir en arrière. Alors certains vivent là depuis des années, au plus près du port, et parfois même à l'intérieur. Comme dans ces conteneurs, transformés en squats de fortune. Plus loin, alors que nous marchons toujours à l'intérieur du port, nous découvrons une brèche dans le mur d'enceinte. Surgit alors un peuple fantôme qui vit dans les roches des digues extérieures. Des gamins, souvent défoncés, à la colle ou au shit pour faire passer la faim et le froid. Venez, venez, je vous montre où j'habite, venez voir. Regarde ma maison, regarde ma maison. Regarde ma niche. J'ai même fait un ascenseur dedans. Ce psychiatre de 51 ans est soucieux de respecter les règles du jeu démocratique. Le modèle du PJD, c'est la Turquie. Les islamistes au pouvoir à Ankara ont démontré qu'ils pouvaient diriger un grand pays. Alors pourquoi pas eux, un jour au Maroc? D'autant que le palais les a intégrés fort adroitement dans le jeu politique, d'abord à dose homéopathique, plus largement aujourd'hui. Direction Meknès, l'une des quatre villes impériales du royaume. Dirigée depuis les élections municipales de 2003 par le PJD. Le maire, c'est lui, Aboubekr Belkora, 53 ans, affable et souriant. Ici, il est populaire, car il a lutté contre la corruption. L'État ne lui a pas facilité la tâche au début de son mandat, les crédits étaient rares. Mais depuis l'arrivée d'un nouveau préfet, les fonds publics sont revenus. Le maire, avec l'aide du représentant du roi, est en train de débarrasser Meknès de ses bidonvilles.
Il y avait 800 baraques à éradiquer ici, il a fait un effort monstre. On a tout fait pour redonner à la place tout son charme. Nous allons essayer de reprendre en jardin et ça va donner vraiment très bien pour la ville. Bien sûr, il est musulman et profondément croyant, fier de ses 5 prières quotidiennes à la mosquée. Mais ce n'est pas un intégriste. À Meknès, il n'y a pas de charia. Il n'y a pas d'interdiction. Nous, on n'est pas pour l'interdiction. Nos amis, ils construisent des discothèques et nous, on pousse à ce qu'il y ait le maximum de mosquées. Et chacun trouve sa voie. Confronté à l'exercice du pouvoir, le PJD a dû mettre de l'eau dans son vin. Même si l'islam interdit la consommation d'alcool aux musulmans, pas question de toucher à la vigne, principale ressource de la région. Au grand soulagement de Mehdi Bouchara qui travaille dans cette exploitation de renom. En 2005, le jour où le maire a été élu, je vais être très franc, moi personnellement ça a été un peu un choc et le lendemain, une petite gueule de bois quand même. Pourquoi ? Parce qu'on n'en savait rien, parce que PJD c'était ce dont on en entendait parler. Aujourd'hui, le vigneron et le maire barbu sont devenus les meilleurs amis du monde. On vous amène le diable, là. Quelqu'un qui fait du vin. Ouais, ça, il y a des bons petits diables et des mauvais petits diables. Et moi, lui, c'est bon le bon petit diable. C'est du pragmatisme aussi, il y a des touristes. Ben, c'est sûr qu'il y a des touristes. Personne n'est contre les touristes. Personne n'est contre la vente d'alcool aux touristes. Au contraire. Pas plus. Je veux dire que maintenant, quel que soit le pays où l'on se rend, on a un risque d'attentat. Quand on voit ce ciel bleu, on se dit qu'il ne peut rien nous arriver. Cet après-midi, au Maroc, à Meknès, un kamikaze a tenté de faire exploser un car transportant des touristes. La bonbonne de gaz qu'il portait a explosé avant qu'il n'ait atteint l'autocar. Les autorités. C'était le 15 août dernier. Un kamikaze a tenté de se faire exploser en montant dans un bus. Le réflexe du chauffeur qui lui a fermé la porte a évité le carnage, mais la cible était claire, le touriste occidental. La presse internationale est restée assez discrète sur l'événement et malgré l'attentat, le flux touristique n'a pas bougé. Les rues sont toujours bondées, au grand soulagement des autorités, mais aussi du PJD, le parti islamiste. Bonjour. Écoutez Younes Ben Slimane, vice-président du comité du tourisme à Marrakech. Plus de 70% de Marrakechis travaillent dans le domaine de tourisme, soit dans des hôtels, soit dans l'artisanat, soit et tout ça, et ça aide, le tourisme aide à développer la ville. Et je pense personnellement qu'il n'y a pas crainte tant que ces touristes viennent et respectent les coutumes marocaines. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, le tourisme est devenu la première source de revenus du Maroc. Des villes comme Agadir se sont en effet totalement dédiées à cette activité. Presque chaque foyer en dépend. Et on en veut plus. Les grues jaillissent de partout. Alors la police locale ne veille qu'à une chose, le bien-être de ses hôtes. C'est le pragmatisme marocain. On accepte l'étrangère en bikini, même si la rigueur religieuse voudrait que les Marocaines se baignent habillées. Est-ce que ça vous dérange qu'il y ait des touristes qui viennent et qui se déshabillent ici Ben si, ça pose un problème pour nous, mais tant qu'ils payent de l'argent et veulent bénéficier de leurs vacances, alors ils sont libres. Vos parents, est-ce qu'ils acceptent ça ? Non, ils ne l'acceptent pas. Pardon ? Ils ne l'acceptent pas. Par exemple, si je demande à mes parents, je veux aller à la plage, ils vont me dire non, qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Il n'y a que des gens mal habillés, tu vois. Ah oui ? Parce que c'est notre religion. C'est contre la mais religion. Nous, on est habitués. Dans un pays en proie à des crispations sociales et religieuses, le bon sens des Marocains met pour l'instant les touristes à l'abri des remous. Mais le succès du développement touristique dépend avant tout de la stabilité du pays. Le renouvellement d'agressions ou d'attentats à l'égard des touristes pourrait ternir l'image de cette destination. Où va donc le Maroc ? La simplicité. Voilà, ça c'est bon, ça c'est extraordinaire. Ça. Merci, choukran. Les choses les meilleures ne sont pas forcément les plus raffinées. Le plaisir de manger un poisson qui sort de l'eau, avec le soleil, l'ambiance, le bruit,
C'est un raffinement extraordinaire, quelque part. Au Maroc, les Français vivent bien. Alors ils y viennent aussi pour faire des affaires. Dans la foulée de quelques célébrités, près d'un millier d'entre eux se sont rués sur les maisons ou les riads de Marrakech. Les prix ont suivi. Il faut désormais une somme confortable pour monter ici une maison d'hôte. Voici l'un des plus beaux riads de Marrakech. Chose très rare dans la Médina, la vieille ville, il y a une piscine. Avec l'aide financière de sa famille, Emmanuel l'a ouvert en 2005. Ma raison principale, c'était de changer de travail, de changer de vie. C'était pas du tout de tout d'un coup d'essayer de gagner de l'argent en faisant un riad, pas du tout. J'étais enseignante, j'étais fatiguée de l'enseignement. Je rêvais de faire chambre d'hôte, je l'ai fait. Pour ce riad de 9 chambres, Emmanuel a embauché 9 personnes. Les salaires tournent autour de 350 euros par mois. C'est près du double du SMIC marocain. On sait que si on n'était pas là, les loyers n'auraient pas doublé, ne se seraient pas envolés comme ça. Et puis aussi, il y a aussi des côtés très positifs parce qu'on permet, là par exemple, dans ce riad, on permet à 9 personnes de travailler. Et tout le monde s'y retrouve. Quand on travaille pour un Français, c'est beaucoup mieux payé quand on travaille avec un Marocain. Moi, j'ai été payée en 3 500. Maintenant, j'ai trouvé un salaire très motivant, quoi. C'est très intéressant. Combien, 5 000 actuellement. Ouais. Ce riad a été construit de toutes pièces sur un terrain vague au centre de la Médina. 14 mois de travaux, des dizaines d'allers-retours avec la France, un véritable investissement. L'ensemble de la construction, donc, c'est en gros 250 000 euros de terrain et 450 000 euros de construction. Voilà le prix auquel il faut rajouter l'aménagement. Par contre, c'est vrai qu'avec cette folie sur Marrakech actuellement, on a en gros, certains disent presque doublé ou en tous les cas augmenté d'une manière un peu considérable l'investissement réalisé. En un an. Il faut savoir aussi, ouais, en 2 ans, on va dire, en deux ans. Sauf que, aussi, c'est un risque. C'est-à-dire que demain, le tourisme a peur, comme ça existe, ça a existé en Égypte, où à ce moment-là, vous auriez mieux fait de ne rien dépenser du tout. Pour l'instant, rien ne freine l'enthousiasme des Français. La somptueuse ville impériale de Fès